Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau live dont on ne vous demande pas d'y croire. Alors merci d'être toujours aussi nombreux à suivre toutes ces aventures dans l'invisible et ce qu'on appelle le paranormal. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos, ceux qui s'abonnent à la chaîne. Bientôt la super fête des 20 000 abonnés, vous êtes tous conviés bien sûr. Et bon, alors vous pouvez comme d'habitude poser vos questions à l'invité et c'est Christelle, ma deuxième modératrice préférée, qui les transmettra dans la deuxième partie de l'émission pour que je les pose à l'invité. Aujourd'hui, je reçois Virginie Sophia. Virginie, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, merci à vous tous d'être au rendez-vous. Moi je suis très contente, un peu stressée comme d'habitude, mais très très heureuse. Ah, si ça Merci pour l'invitation. te rassure, moi aussi, je suis toujours très Ouais. stressé avant les émissions. C'est normal, je crois. Alors Virginie, est-ce que tu t'es réveillée un jour? Et tu t'es dit, mais j'ai des voix dans la tête, est-ce que tu, ou alors est-ce que tu as toujours été en communication avec l'au-delà? Alors non, je ne me suis pas. Alors ni l'un ni l'autre en fait. J'ai pas toujours été en communication avec l'au-delà, en tout cas tel que l'on parle là maintenant. J'ai commencé très jeune par avoir une espèce d'intuition, faculté à ressentir déjà les événements à l'extérieur. Ce qui se passait dans le monde m'affectait énormément. J'avais une grande sensibilité que je voyais plutôt comme un défaut, si tu veux, qu'un atout. Et au fur et à mesure, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, j'ai une amie qui m'avait invitée, qui avait un jeu de cartes divinatoire. Et j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur, comme une poussée vers un élan, tu vois, très fort pour aller vers ce jeu que je me suis acheté dès le lendemain. Et j'ai commencé à tirer les cartes, en fait. Et là-dessus, je me suis rendu compte que j'avais des capacités ou des facultés ou des facilités à voir soit le passé, soit des choses imminentes en train de se passer, soit du futur, proche ou lointain, ça dépendait. La notion de temps est complexe en voyance. Et puis, des fortes précognitions. Donc, la précognition, c'est savoir quelque chose sans savoir comment on le sait, en fait. C'est être Ouais. persuadé, par exemple, du caractère de quelqu'un sans le connaître, pouvoir un peu lire en lui. Tu vois, ce genre de faculté-là, des flashs, quelques flashs. Donc ça, c'est venu progressivement jusqu'à mes 30. Alors attends, ma fille, elle a 2 ans et demi, j'ai 39 ans, donc on va dire jusqu'à mes 34-35 ans. Ça allait crescendo. Mes facultés augmentaient, mais je n'étais pas médium. Je ne pouvais pas voir les défunts, par Ah. exemple. Je ne pouvais pas les entendre. J'entendais, quand j'allais me coucher, j'avais des flashs visuels et j'entendais des bouts de phrases. Mais ça n'avait pas de sens pour moi et ce n'était pas une personne en particulier. Enfin, tu vois, ce n'était pas comme des médiums, on va dire les grands médiums, quoi. Et puis, quand ma fille est née, donc il y a 2 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais avant. Je travaillais dans une grande mutuelle et j'étais technicienne. Et je me suis dit, non, là maintenant, il faut vraiment que je me consacre à l'aide, puisque je faisais de la voyance, je faisais du coaching en développement personnel et spirituel, puisque je m'étais moi-même beaucoup coaché, on va dire. Je faisais beaucoup d'énergétique aussi. Tout ça, ça s'est développé au fur et à mesure des années. Et donc, j'aidais les gens. En tout cas, j'essayais. Et quand ma fille est née, j'ai dit, OK, maintenant, plus de retour en arrière. Je vais lui montrer l'exemple d'une personne qui est en adéquation avec ce qu'elle veut faire. Et donc, je vais faire ça à 100% du temps parce que je ne peux plus concilier tout. Et ce qui m'inspire le plus, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'aider les autres. Donc, je me suis installée à mon compte. Et puis là, j'ai senti, donc je sais pas, quelques semaines après, ou peut-être même immédiatement, je saurais plus te dire, parce que je n'ai pas les dates en tête, j'ai ressenti comme un appel viscéral pour écrire. Alors j'étais déjà très aguerrie au niveau de l'intuition, c'est-à-dire que je m'écoutais beaucoup, j'essayais de me faire confiance, etc. Donc j'avais quand même, tu vois, une espèce de perception accrue. Je disais, mais c'est pas possible, j'ai l'impression qu'on veut me dire quelque chose à l'intérieur. Donc je me disais, c'est mes guides, c'est les anges, je sais pas, en fait, quelqu'un. On verra. Et je me suis dit, ben, je vais essayer d'écrire, mais je savais pas du tout comment faire parce que j'entendais rien de particulier. Et je me suis dit, ben, je vais essayer l'écriture automatique. Donc j'ai fait un atelier. Et là-dessus, en fait, j'ai pas forcément connecté avec un défunt en particulier ou avec mon guide qui m'aurait dit un grand discours ou quoi que ce soit. Par contre, j'ai connecté avec un amour tellement immense, j'ai ressenti un amour tellement profond
en moi, connectée à moi et autour de moi, en moi partout, que après ça, j'avais juste envie de dire au monde entier que j'aimais le monde. Je voyais les gens en partant de cet atelier, j'ouvrais les fenêtres pour dire je vous aime, quoi. Mais c'était un truc de fou, ça me dépassait totalement. Et en fait, quelques jours après ça, j'ai commencé à écrire toute seule, chez moi, en écriture automatique. J'ai fait ça quelques jours, je sais pas, je crois que j'ai commencé le 18 et en fait j'ai commencé à entendre le 29 avril. Donc tu vois vraiment quelques jours après. Alors quand je dis entendre, c'est pas des voix, c'est pas comme le médium qui va capter un défunt et donc entendre une voix d'homme grave ou une voix d'enfant fluette ou voilà. C'est vraiment dans la pensée. En fait c'est ce que je dis souvent, c'est comme de la télépathie. Bien, j'en ai jamais fait avant. J'imagine que ça ressemble à ça. En fait, on utilise ma pensée pour me transmettre des informations qui ne sont pas de moi. Et je le sais parce que, bon, les idées, je peux les partager, mais la façon de le dire, ce n'est pas la mienne. Et certains mots, quelquefois, je les connais, mais je ne suis pas sûre du sens. Et pourtant, quand je les vérifie, ben, je me rends compte que ben, c'est le sens juste et que j'aurais jamais utilisé ce mot-là puisque je n'en connaissais pas le sens vraiment de façon certaine, tu vois. Et dans le fond aussi, Ah oui, il y a des tout tournures des ça. fois et des, enfin, des idées qui ne te viendraient pas à Oui. toi-même de ta propre pensée. Il y a ça aussi. Alors, en règle générale, ce sont quand même des pensées énormément tournées vers l'amour. Et moi, je suis quelqu'un de très aimant, de très démonstratif. Donc ça, évidemment, je suis en accord parfaitement avec tout ce qui m'est transmis. Voilà, c'est beaucoup de guidance, d'aide, d'accompagnement. Quelquefois, il y a des prédictions, mais je vais dire, c'est pas ce que je préfère, mais après, c'est surtout, c'est pas forcément toujours ce qui m'est donné. Voilà, c'est plutôt un accompagnement spirituel pour aider les gens à aller mieux, y compris moi, en fait. Pour te dire, si tu veux, cette connexion, elle a commencé donc le livre, parce que moi, ça a commencé par le livre, en fait, cette connexion. En faisant l'écriture automatique, en posant des questions, j'ai dit, mais est-ce qu'on va écrire un livre? Parce que j'avais compris que j'étais guidée par ce que moi, j'appelais à l'époque l'univers, puisque j'étais fervente pratiquante de la loi de l'attraction, et donc je disais toujours merci l'univers, tu sais, j'étais toujours à la gratitude de l'univers pour tous les cadeaux qu'il me donnait, pour tout ce que je voulais avoir aussi, hein, soyons honnêtes. Et quand j'ai commencé à écrire en écriture automatique, j'ai eu quasiment dès le début, l'univers lui aussi te fait le plaisir d'être là avec toi. Au début, je me suis dit, ouais, d'accord, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ça, mais tu sais, l'ego qui fait. J'ai eu peur de mon ego en me disant c'est ça, oui. Mais j'ai continué parce que j'étais trop bien en fait quand j'écrivais. Et donc j'ai dit à un moment donné, j'étais fan de Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh que j'ai lu il y a des années. Et pour moi c'était l'apothéose, tu vois, le summum du livre d'éveil. Je dis est-ce qu'on va écrire un livre? Donc ils me disent oui. Je dis ils parce qu'ils me disent nous. Donc D'accord. voilà, je précise pour les personnes qui ne me connaissent pas du tout, voilà, entends-nous, c'est écrit à la première personne du pluriel, donc c'est nous. Et donc je dis, est-ce qu'on va écrire un livre? Donc ils me disent oui. Je dis un peu genre conversation avec Dieu. Ils me disent non, non, toi tu écriras tout. Donc là, on paraît, mon ego en ébullition, genre oui, d'accord, j'écrirai tout, mais quoi? Enfin, tu vois, bon. Puis je laisse faire, je commence à écrire le livre 3-4 jours après. J'ai commencé, je crois, le 25, voilà, le 25 avril 2018. Et au fur et à mesure de l'écriture, donc je faisais des fois 10 heures d'écriture par jour en me levant à Ah oui. 3-4 heures du matin. Ouais, c'était très Ah, intense. c'était un peu Sur un. chaotique aussi les heures où tu écrivais. C'était, on Mais en tapait. fait, moi j'étais en pleine forme. Donc pas D'accord. chaotique dans ce sens-là. Chaotique parce que anormal par rapport à des horaires de travail, par Ouais. rapport au fait que mon mari et ma fille dormaient et encore. Non, mais tu sentais Et une demande. ah Allez, oui, faut que tu ah oui, écrives. Voilà. Et un tu partais. appel, voilà, Voilà. exactement. Je me réveillais comme ça et en pleine forme. Ah bon? Et bon, allez, c'est maintenant Au quoi. boulot, allez. En gros, il faut que j'y aille. Donc j'y allais, j'écrivais et puis au bout de quelques jours, j'ai commencé à entendre ce que j'écrivais. J'ai commencé à entendre dans ma tête les bouts de phrases qui allaient s'écrire sous mes yeux. Et ça fait bizarre, tu vois. J'étais là, qu'est-ce qui se passe en fait?
Et en fait, j'avais une page blanche pour écrire le livre et une autre page où je posais mes questions pour être sûre que c'était à cet endroit qu'il fallait aller à la ligne ou ce genre de choses. Et donc, sur ma page brouillon, je disais, mais là, j'entends en fait ce que vous me dites. Et donc, j'attendais la réponse en écriture automatique. Donc, oui, c'est effectivement ce que nous voulions t'amener à faire. Ça a été difficile parce que tu n'es pas médium, mais ça y est, tu as ouvert le canal. On ne pourra plus le refermer. Et donc ça m'est tombé sur le coin de la gueule, soyons honnêtes, hein, c'est vraiment une grosse météorite qui est arrivée du jour au lendemain, que j'ai accueillie avec un immense bonheur, mais qui a été aussi difficile à vivre. Et ça, c'était au mois d'avril, donc avril, début mai 2018. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. D'accord. Et avant de devenir canal, tu disais que tu t'intéressais beaucoup à la loi de l'attraction. Est-ce que, parce que tu dis, et après tu dis aussi que tu canalises la source dans ce livre, entends-nous. Et est-ce que tu n'as pas le sentiment que la source, elle a mis sur le papier ce que tu connaissais déjà? Alors, sur une partie du livre, oui, tout à fait. Et en fait, si tu veux, c'est aussi ça qui est perturbant, c'est que quand je le lis, je me dis, mais bien sûr, mais tout ça, c'est des idées à moi. Enfin, je le Ouais. partage, c'est une évidence. Et à la fois, c'est tellement mieux dit que ce que j'aurais pu dire, et en plus, en si peu de temps. En plus, c'est en rime. Le livre, il est tout structuré d'alexandrins ou de rimes. Enfin, je veux dire, enfin. Je ne peux pas vous faire venir mon mari, mais quand il me voyait écrire, il hallucinait. Si tu veux liser les pages, donc c'est moi, c'était sur un A4 au stylo bic bleu, Ouais. tu vois. Tout était rempli recto verso. Des fois, je faisais 10 pages d'affilée sur une même matinée, en fait, genre de 4h du matin à 11h ou de 2h du matin à midi. Tu vois, c'était un peu foufou comme ça. Et donc, à chaque fois, ben, je soumettais les écrits. Et il y avait des mots que je n'utilise pas. Comme je te disais, dont je connais peut-être un peu le sens, ou voire pas du tout, que j'avais déjà vaguement entendu, et j'étais après en train de vérifier sur les dicos en disant, bah, ah, mais oui, ça veut dire ça. Et puis tu sais, tu relis, en fait, quand tu canalises, tu n'as pas, comment dire, ta perception intellectuelle peut être un peu altérée. C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu lis un livre. Je peux pas, quand je canalise une feuille, il faut que je relise pour vraiment comprendre que ça a du sens. Je l'ai compris quand je l'ai écrit, mais des fois je me dis, attends, c'est bien tourné ça? Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est pas du n'importe quoi avec des mots qui vont bien ensemble? Et en fait, tu relis et tu dis, waouh, non, c'est tellement bien dit, tellement plus poétique aussi que ce que moi je pourrais dire. Parce que bon, j'ai fait des études littéraires, mais j'avais pas un niveau ouf. Tu avais jamais écrit Donc, de livre avant? non, jamais, jamais. J'avais le rêve d'en écrire et d'écrire un livre qui pourrait aider, donc plutôt développement personnel. Et c'est finalement ce que m'a donné Entends-nous comme opportunité, sauf que c'est encore mieux parce que j'ai rien eu à faire. Tu vois, si ce n'est corriger les fautes et Il y avait des fautes voilà, d'ailleurs? rajouter. Est-ce qu'il y avait des Oui, fautes? oui, Ah oui. oui, oui, il y en a eu. Et alors, ça aussi, c'est une chose en canalisation, ben, en fait, tu as une altération totale de tes connaissances au niveau Ah orthographe. bon? Des Mais fautes je que te tu ne fais jure. pas d'habitude. Mais c'est-à-dire qu'en fait, mais oui, des fautes que tu fais pas d'habitude, et puis en plus, tu vas passer à côté. C'est-à-dire qu'à la lecture même, je vais passer à côté de trucs qui sont basiques. Ou des fois, quand je canalise, alors des fois, tu sais aussi, je fais des dédicaces pour le livre, je les canalise, et en fait, quelquefois, j'entends, je vais te dire, aimant. Alors, quelqu'un qui est aimant. Bon, et bon, pendant que je canalise, je vais me dire, attends, ça s'écrit avec un E ou s'écrit à I? Alors que. Pour moi, mais il n'y a juste aucun doute là-dessus, en vrai. Mais quand je canalise, le son est le même et ma conscience, elle a des fois du mal à faire le point sur ça. Donc c'est des petits détails, tu vois, mais c'est des choses qui me montrent bien que je suis quand même connectée ailleurs, quoi, aussi. Et puis, ce qu'il y a, c'est que je ressens énormément d'amour et d'énergie quand je canalise. D'accord. Et après, tu disais que tu avais commencé à entendre. Est-ce que là, tu entendais comme une voix humaine? Non, en fait, Toujours j'utilise pas? ce mot parce que je ne sais pas comment dire Ouais. autrement, mais j'entends pas concrètement. J'entends par la pensée. D'accord. C'est vraiment des idées qui viennent. Et en fait, j'ouvre le canal et je reçois les infos que je veux ou que, enfin, Ouais. pour lesquelles je suis en accueil, en tout cas. Et qu'est-ce qui différencie ta pensée naturelle
de la canalisation, enfin de la source ou je sais pas qui tu canalises. Alors, ben, je canalise, en fait, si je veux, pour l'instant, je canalise un peu tout. J'ai D'accord. fait plein de tests dès le début, j'ai essayé de tester pour voir où étaient mes limites, puisque on me disait, enfin, la source me disait qu'il n'y en avait pas, que j'allais découvrir plein de facultés, etc. Et donc, j'ai commencé avec les plantes, j'ai commencé avec les arbres, les fleurs, avec les animaux, et puis comme je consultais aussi individuellement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ben, j'avais des femmes enceintes, donc j'entendais les fœtus, par Ah ouais? exemple. Ouais. Et qu'est-ce qu'il disait le fœtus? Ben, c'était toujours en rapport avec sa maman, en fait, Ouais. si tu veux, puisque c'était des personnes qui venaient pour des soins énergétiques ou choses comme ça. Donc, il l'apaisait par rapport à des problématiques concrètes de sa vie. Il lui donnait des conseils pour sa vie future, des choses comme ça. Là, le fœtus parlait comme une personne adulte. Absolument. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Oui, oui. Elle était Comme encore une âme là-haut, quoi, en fait. incorporée, quoi. Ah ouais. Tu vois, qui n'a pas de limite et comme nous, si on est dans notre plein potentiel et voilà, après un enfant, mais je canalisais ma fille. Ma fille, quand elle parlait pas encore, quand elle n'allait pas, et d'ailleurs, je parle encore avec elle par télépathie très souvent, dès qu'elle pleure ou quoi, je lui envoie des pensées pour la rassurer. Bon, je ne fais pas que ça, hein, je lui parle aussi normalement, on est bien d'accord, mais pour te donner des exemples, les défunts, les personnes décédées aussi. Alors, la différence qu'il va y avoir, en fait, c'est la nature de la communication. Par exemple, pour un arbre, une fleur ou choses comme ça, la structure, la forme est très basique, très simple, en fait. On va à l'essentiel, il n'y a pas. Comment dire? C'est comme s'il n'y avait pas un caractère particulier comme nous les humains, tu vois, quelqu'un de colérique ou quelqu'un de très doux. Voilà, c'est plutôt assez neutre. Alors, Voilà, j'ai quel type de besoin de message peut ça. avoir un arbre, peut donner un Bah, arbre? moi, souvent, quand je leur pose des questions, c'est pour savoir s'ils ont assez soif, enfin, est-ce qu'ils ont assez d'eau, parce que souvent, je canalise mes plantes. Les arbres, bah, je leur fais des câlins, je leur demande de l'énergie et je leur demande de prendre mes soucis et de. Voilà, on échange. Après, il y en a un dans mon quartier que j'aime particulièrement et des fois je leur donne. Enfin, au début, je lui demandais le prénom pour avoir, tu vois, un rapport d'intimité. Mais en fait, concrètement, enfin, je pense pas qu'il y en ait. Je sais pas, mais lui m'a donné le nom Henri. Donc, je vais voir Henri au bout de la rue et souvent je fais des câlins et je prends son énergie et je lui en transmets aussi. Tu vois, je lui ai enlevé. Alors, les gens vont me prendre pour une folle, mais je m'en fous parce que c'est ma vérité. Et c'est comme ça, mais. Voilà, quelqu'un avait planté des clous en fait dedans, Ouais. certainement pour afficher une affiche. Et en fait, pour le remercier, je lui ai aussi enlevé ses clous, tu vois. Voilà, ça peut être ça, ce genre de communication et d'échange. Des plantes malades, bien, je leur envoie de l'amour, elles me remercient. Tu vois, D'accord. c'est des choses simples. L'eau aussi. L'eau est un être vivant, énergétique, et je canalise. Alors bon, moi, je lui envoie beaucoup d'amour et je lui parle, mais en retour, je reçois aussi des mots ou des phrases. Après, quand il s'agit des défunts, c'est beaucoup plus palpable, on va dire, parce qu'on reconnaît le caractère de la personne, on reconnaît son intonation, son caractère qui ressort, son tempérament. Et puis, souvent, elle donne une anecdote, elle donne un truc pour qu'on puisse la reconnaître, ben, un peu comme les médiums, en fait. Hein, voilà, sauf que moi, c'est par la pensée. Et peut-être que ce qui me caractérise, et c'est peut-être le cas d'autres personnes qui canalisent, c'est que quasiment 98% du temps, c'est en rime. Ah oui, C'est ça c'est drôle toujours ça. voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais même les défunts, Vraiment? ouais, voilà, c'est quasiment tout le temps comme ça, en fait. Et la source, eh ben, la source, je dis que c'est la source parce que c'est elle qui me l'a dit. Et que c'est pas dans l'ego, c'est pas dans la hiérarchisation de toi tu parles à la source, toi tu parles à l'archange, toi tu parles à. On s'en fout de ça, c'est. Voilà, moi les messages. Enfin, en même temps, on est tous issus de la source. Tu On sens est tous une partie divine de la. Tu vois, issus de la source. Oui, Une excuse-moi. différence? Non, mais pas de problème. Tu sens une Oui. différence quand c'est la source qui te parle ou un défunt Oui. dans quoi? Dans l'émotion? Dans l'énergie. Dans En l'énergie? fait, dans l'énergie et l'amour et le bien-être que je peux retranscrire. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ressens jamais de fatigue de canaliser. Ça ne me pose aucune difficulté. C'est très fluide, c'est très facile. Dès que je me connecte, je reçois. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire aussi, je canalise les âmes. Je faisais beaucoup, beaucoup de lectures d'âmes.
quand j'étais, je faisais de l'individuel. Et en fait, si tu veux, cette connexion-là, elle est vraiment très intuitive, presque instantanée. Donc, je ne suis pas fatiguée. Mais je pense aussi que je ne suis pas fatiguée parce que je suis connectée à la source en permanence et que du coup, j'ai toujours l'énergie qu'il faut. Au contraire, je suis revigorée, tu vois. Quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers, quand je fais une canalisation, après, j'ai presque des fois du mal à dormir si c'est en fin d'après-midi. Comme du Je ne peux sport. pas. Ouais, voilà, je suis là. Ah, c'est super, je n'ai pas mangé. J'ai bu 3 litres d'eau parce que quand je monte énergétiquement, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. D'ailleurs, tu vois, j'ai ma Volvic à côté parce que je sais que ce soir, il va falloir que je compense. Et voilà, en fait, je le ressens à ce niveau-là. Je suis pleine d'amour, pleine de vigueur et hyper énergique, en fait. Et je me sens tellement bien. Et avec les défunts, ça dépend. C'est pas que je me sens moins bien, mais c'est moins fort, on va dire. Et est-ce que tu l'appelles la source pour qu'elle te donne Vienne. des messages? Ou pareil pour les défunts, est-ce que tu peux appeler un défunt particulier ou ils viennent à toi naturellement? Alors non, justement, c'est moi, c'est pas, on va dire, comme les médiums. En tout cas, ce Ouais. que j'ai rencontré, leur façon de faire, c'est que souvent, ce sont les défunts qui viennent à eux sans qu'ils aient, entre guillemets, le choix. Ça dépend. Si c'est une salle blindée, ils vont pas dire je veux lui ou lui. C'est, ça va venir comme ça et ils vont prendre les gens. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir en faisant des conférences avec des médiums. Pour ma part, quand quelqu'un me demandait à l'époque en individuel, par exemple, de parler à son père ou à son frère ou à son enfant, c'était toujours là, je canalisais toujours la personne directement sans avoir besoin de son prénom, sans avoir besoin de rien. En fait, juste l'intention me connecte directement à la source du message. Donc, que ce soit l'univers ou l'énergie source ou la source divine ou Dieu ou comment vous chacun veut l'appeler. Moi, j'y mets pas de religion, j'y mets juste, voilà, pour moi, c'est une énergie d'amour. Eh bien, c'est tout de suite, c'est instantané. Et quand j'ai commencé à canaliser, évidemment, j'ai eu, enfin, évidemment, je ne sais pas, mais peut-être que des gens qui canalisent ont vécu la même chose, j'ai eu très peur. J'ai beaucoup douté. J'ai eu peur de me tromper. J'ai pas eu peur de ce qu'on me disait, puisque c'était que de l'amour et de la bienveillance. Mais j'avais peur que ce soit pas possible que ça m'arrive à moi. D'ailleurs, ça fait encore partie de certains de mes doutes, hein. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible, qui je suis moi, je suis moins bien que les autres, tu vois, ce genre de truc. Mais est-ce qu'il y a eu un événement particulier marquant par la naissance de ta fille? De ma Mais fille. c'est ça? C'est la naissance de ta fille vraiment? Ou il y a Je eu un pense que événement ça. plus douloureux? Parce que souvent c'est. Ouf. Des événements douloureux, j'en ai vécu plein la vie. Ouais, J'en bon. ai eu vraiment beaucoup avant. Aujourd'hui, je dirais que j'en ai pas eu depuis super longtemps, faut être honnête. Mais j'ai fait quand même 3 dépressions depuis mon jeune âge. Je crois que la première, je l'ai faite à 22 ans. Après, j'en ai fait une autre à 27 ou 28. Et puis la dernière, après la naissance, j'ai fait un gros baby blues. Mais moi, Ah. j'appelle ça un baby blues parce que c'est trop mignon, tu vois, baby blues. C'est vraiment une grosse dépression. C'est plutôt Et ça qui a ouvert le canal, à ton avis? je pense que ce qui a ouvert mon canal, ce sont 2 choses. C'est déjà le travail que j'ai fait suite à ces dépressions et le fait que je me suis dit non, moi, je veux être heureuse. Et malgré tout ce que j'ai vécu, il n'y a pas de raison, je vais y arriver. Alors oui, j'ai vécu des traumatismes de rejet, des traumatismes d'abandon. Je ne m'aimais pas, j'avais l'impression que mes parents ne m'aimaient pas, que ma famille ne m'aimait pas, que j'étais toujours la plus nulle, la plus grosse, la plus moche, la plus truc, tu vois, inintéressante, etc. Bon, je me suis construite sur des ruines, mais j'ai réussi à vraiment évoluer et à non seulement me donner de l'amour, mais en plus à en donner aux autres. Donc ça, c'est déjà pas mal. Avec chaque dépression, à chaque fois, je me relevais encore plus, encore plus haut, en me disant, mais attends, là, j'y suis presque, là, le bonheur, il est là. Et puis, j'ai rencontré la loi de l'attraction. J'ai découvert la loi de l'attraction en 2016 et j'ai compris comment augmenter mon énergie. J'ai médité, ce que je ne faisais pas avant. Donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à contrôler mes pensées, à m'envoyer des pensées d'amour consciemment, à éviter tout ce qui était une forme de rejet, quel qu'il soit, que ce soit pour moi ou pour les autres, dans ma façon de parler. Enfin, j'ai essayé, hein, je n'ai pas dit que j'étais parfaite directe, hein, j'ai essayé, ça a demandé du temps, mais je l'ai fait. Donc, je pense qu'il y a eu un palier énergétique qui s'est passé. Après, j'ai fait ma dépression, donc post-naissance, qui m'a créé un gros déclic de bon, mais maintenant,
La vie que je veux, c'est pas celle-là. Donc, je mets toutes les pierres dans le panier pour construire le mur que je veux faire, etc. Et la super baraque. Et j'ai des outils grâce à la loi de l'attraction. Je vais les appliquer encore plus pour remonter. Et je pense qu'en fait, j'étais dans un état énergétique assez haut quand j'ai ouvert le canal. Alors, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ait besoin de ça. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. D'accord. Et est-ce que tu te prépares avant chaque canalisation, une méditation? Est-ce que tu le fais souvent pour t'entraîner? Alors, pas du tout. Je ne me Ah d'accord. prépare rien. Je Jamais. peux tout de suite, jamais. Alors, comme je te disais, je l'ai eu fait au début, enfin, comme je voulais te dire et que je n'ai pas abouti tout à l'heure, puis je suis partie ailleurs. Au début, quand je doutais, j'avais une amie qui m'a dit, oui, mais tu n'es pas connectée à la bonne source. Moi, je sais. Je me suis connectée à toi et je sais. Et puis j'ai demandé à Shmuel. Il a dit la même chose. Bon, moi, je connaissais plein de gens aussi dans les thérapeutes, donc ça m'a fait super peur quand elle m'a dit ça. Et j'ai envoyé des messages à des proches en qui j'avais confiance, thérapeutes, énergéticiens et tout, en disant, est-ce que vous pouvez vous connecter à moi pour voir? Parce que, en fait, je ne me faisais pas confiance, j'avais trop peur de me louper, tu vois. Et la réponse et l'apprentissage que j'en ai compris, c'est que non, personne d'autre que vous ne peut savoir à qui vous êtes connecté et comment vous êtes connecté. C'est comment vous vous sentez vous qui va vous être le véritable aiguilleur, quoi, pour te dire oui, oui c'est bien ou non c'est pas bien. Et donc, je n'ai jamais fait de préparation. Mais quand ma copine m'a envoyé ça, je me suis dit, attends, je vais faire toutes les prières qui existent. L'archange Michael, le protecteur avec son épée, La sauge la blanche. Vierge, la sauge, vas-y que je te mets des trucs, les gris-gris, les pierres, tout. Un L'eau sacrifice. bénite, tu vois, ouais. Non, Non, quand même pas. mais oui, pas, non, toi même pas, non. Mais oui, j'ai beaucoup douté. Et en fait, je faisais, donc dans ma tête, j'étais en vacances, je faisais une prière, tu sais, je disais, mon archange Michael, Vierge Marie, Jésus. Parce que en fait, quand j'ai commencé l'écriture automatique, au tout début, je faisais ça. J'écrivais au tout début, je demande aux guides, aux protecteurs, aux archanges, à la lumière divine de me protéger, machin, pour l'écriture automatique. J'ai fait ça sur les premiers jours. Et puis après, en fait, je voyais que c'était tout de suite, instantané et toujours la même façon de faire. L'écriture automatique était très douce, très légère, ça effleurait le papier, c'était des lettres comme à l'école primaire, Ah oui. tu vois, super jolies et tout. Et en fait, j'avais aucune peur parce que je me sentais bien, donc j'ai vite arrêté de le faire. Sauf que quand ma copine m'a dit ça, j'ai recommencé ces espèces de prières, et là j'entendais dans ma tête, mais tu veux te protéger de nous en fait, tu nous demandes de te protéger de nous, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, on est les protecteurs, à qui tu demandes la protection pour nous? Tu nous entendras toujours, si tu veux pas nous entendre, ferme les écoutilles, on te dérangera pas. Et en gros, il me disait, mais tu reviendras parce que c'est ta destinée. Et parce que tu sais au fond de toi que tu n'as pas de raison d'avoir peur. Et c'est vrai, en fait. J'ai coupé le canal pendant quelques jours parce que j'étais mal, parce que je doutais et tout. Je dis quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines. Et en fait, au fur et à mesure de cette coupure, je me sentais de plus en plus mal. Et c'est, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bien mieux quand je connectais, que j'ai canalisé. Donc j'ai pas de non, j'ai pas de processus pour le faire. Je D'accord. médite oui, mais pas pour ça. Je médite tout le matin pour moi, pour gérer mes émotions, pour apprendre à être pour essayer d'être une bonne personne et de tu vois de guérir parce qu'il y a beaucoup de méditations qui guérissent. Voilà, je fais ce genre de travail, mais c'est pour moi, c'est pas pour connecter. Est-ce que tu as canalisé des personnes du bas astral, comme on dit? Est-ce que ça t'est Ça m'est jamais arrivé? arrivé. Non, jamais. Genre, quand tu écris ton livre, à un moment, bah, ça commence à partir à. En Avec des vrille, insultes et des trucs comme ça, des ben non, insultes. non, jamais du tout en Non? fait. C'est ce qu'ils m'ont toujours dit. Ils m'ont dit, on ne laissera jamais personne prendre ton canal. D'accord. Bon, si ce n'est ben, des défunts ou voilà, mais en tout cas, personne ne pourra te faire du mal par ce biais-là. Et je le crois profondément parce que je n'ai jamais expérimenté ça en fait. Maintenant, si ça avait été le cas, je me serais arrêtée et j'aurais pas arrêté pour la vie. Je Bien me sûr. serais arrêtée. Et puis, je me serais mise peut-être en prière, une méditation, un truc, et puis je recommence. Voilà. Mais en gros, j'ai jamais vécu ce genre d'expérience, non. Alors, il y a un truc que tu m'as dit aussi sur ton livre, c'était en off, c'est que ça t'arrivait aussi de prendre une page au hasard
quand tu avais une question à poser ou voilà, et tu mettais le doigt sur une page du livre et puis tu avais ta réponse. C'est ça, voilà, c'est une forme de guidance, c'est un apaisement. Et puis, ça m'arrive de faire ça souvent parce que je l'ai lu plein de fois. Bon, je l'ai écrit, certes, je l'ai retravaillé aussi. Donc, je l'ai lu et puis je l'ai lu personnellement pour m'en imprégner parce que au début, j'avais beaucoup de mal à le lire. Déjà parce que dans le livre aussi, il parle de moi. Donc, ça met mon ego, hein, Ah oui, ça me gêne, je tu vois, comprends, hein, parce j'aime que pas. des fois, c'est C'est gênant. monté sur un piédestal, hein. Ouais, voilà. Et en fait, ça me gêne. J'aime pas ce côté-là. Donc, tout de suite, je vais passer le chapitre. Enfin, pas le chapitre, parce qu'il n'y a pas de chapitre, mais je vais passer la page et puis je vais tourner. Mais donc, j'ai pas toujours le temps de le lire en entier, parce qu'il est 160 et quelques pages, 160 pages, vraiment de contenu. Et du coup, je prends au hasard. Je prends un petit passage. C'est, tu veux que Alors on je le fait, ouais. fasse. Alors allez, on le fait. Alors on On le le fait, fait? ça peut être Ok, maintenant. rigolo. Ah ben, alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me donner un chiffre. Comme ça, c'est même pas moi qui prends au hasard, c'est toi. 33. Alors. Vous aurez l'occasion de nous les exposer sur le site qu'à Virginie, nous avons fait créer. Donc, effectivement, ils m'ont fait créer un site juste après. Dans des textes, sur les blogs, nous y répondrons quelque temps après, mais vous pourrez aussi, à l'une de nos conférences, vous déplacer pour nous rencontrer et vos questionnements nous partager. Comment le pourriez-vous, vous nous direz? Nous vous disons, notre auteur est perpétuellement à nous connecté. Elle pourra donc répondre à tout ce que vous lui soumettrez, sans faux-semblant bien sûr, et avec une grande clarté. Nous ne vous laisserons pas marcher tout seul, sans vous accompagner. Nous allons vous apprendre et vous assister. Nous vous dirons comment obtenir le succès dans vos affaires et dans vos projets. Il est merveilleux que ce livre vous lisiez. Nous vibrons d'émerveillement à cette idée, car nous savons que grâce à lui, vos vies vont changer et qu'il deviendra votre seule référence de vérité. Ne nous idéalisez pas, nous ne le voulons pas, nous sommes et c'est tout. Vous pourrez nous voir, nous entendre dans tout. Nous nous exprimons dans chaque chose autour de vous, nous vous passons des messages partout. Dans votre monde, tout est félicité et tout devient par là même notre façon de nous exprimer. En tout cas, ça parle de conférence, donc ça tombe Oui, bien. c'est vrai. Oui. Mais voilà, sur le site. Mais c'est vrai que quand les gens lisent le livre, en fait, il n'y a pas beaucoup de questions qui leur viennent. Si ce n'est sur mon histoire, sur le contenu du livre, c'est assez clair, en fait. Il n'y a pas, y a pas tant de questions que ça. Mais Et pourtant, qu'est-ce qu'ils posent pardon. les gens comme question quand ils ont lu le livre? Bah après, j'ai eu des fois, enfin, je pense à un monsieur en particulier, qui me disait qu'en gros, c'était pas possible que ce. Enfin, c'est pas vraiment des questions, en fait, c'est plutôt des remises en question par rapport à leurs croyances, tu vois, et ils veulent interagir avec moi là-dessus. Mais moi, je suis pas là pour convaincre. Je veux dire. Ce que j'explique, et ce que j'ai expliqué par exemple à ma tante, qui elle est très pratiquante catholique, et donc elle a beaucoup de mal à croire que je puisse avoir écrit, enfin que je puisse être en contact avec la source ou ce qu'on dirait Dieu. Donc pour elle, voilà, je crois que c'est pas possible que ça m'arrive à moi, etc. Et on en a quand même discuté, elle a quand même lu le livre, et je lui ai dit, écoute, moi je ne veux pas te convaincre, je ne veux pas te convaincre. Que de ce qui m'arrive, ce que je veux que tu vois, c'est qu'il n'y a que du bon dedans. Il n'y a que de l'amour, de l'énergie, des encouragements, du non-jugement, et voilà. Donc, finalement, c'est en adéquation avec toute religion, en tout cas les bases religieuses, je crois. Et je dis, c'est pas incompatible non plus avec les croyances religieuses. Mais si tu retiens une chose dedans et que tu le mets en application, ça t'aura déjà changé. Je dis, c'est ça mon but avec Entends-nous, c'est que tu changes ne serait-ce qu'une chose. Et parce que tu vas changer cette chose, ça aura des répercussions sur les gens autour de toi qui vont eux aussi changer ces choses-là. Et ce sera un effet papillon en fait. Mais ça, c'est valable avec tous les livres d'amour et de développement personnel et canalisé. C'est OK, lisez. Faites-vous des bonnes connaissances, mais appliquez. Surtout, voilà, faites en sorte que ce soit pas que des écrits, que ces écrits vivent à l'intérieur de vous. Alors, tout à l'heure, on en parlait un petit peu en off. À qui s'adresse vraiment ce livre? Parce que moi, j'attends le deuxième tome là. Parce Moi aussi, moi aussi, hein, j'ai hâte parce malgré que, tout, mais je sais qu'il y a un chemin celui-là parce d'abord. que le premier, alors, j'avais l'impression quand même que
Bah, moi qui connaissais un petit peu la loi d'attraction, j'avais reçu déjà pas mal de personnes qui étaient un peu spécialisées là-dedans, notamment Olivier Maldorieux, etc. Et j'avais l'impression. Alors, effectivement, si c'était reçu par écriture automatique, par canalisation, c'est plutôt extraordinaire. Mais les informations m'ont pas. J'ai pas eu l'impression d'apprendre vraiment une révélation, si tu veux. Mais. Oui, Et je je me dis, vois. quelqu'un qui ne connaît pas la loi d'attraction, effectivement, ça va là, il va rester scotché. Donc, c'est Ben, pour ça que je me dis, alors, à qui il n'y a s'adresse pas vraiment que ce la loi de livre? l'attraction, oui. Mais comme on disait en off tous les deux, c'est que ben, tu as un grand nombre de connaissances sans te flatter. Je sais que tu es quelqu'un de humble et que ça, voilà, C'est ça, les gentil. gens seront plus gênés. Mais c'est vrai, je veux dire, avec tout ce que tu fais et ta grande curiosité, tu as un grand nombre de connaissances, que ce soit au niveau de la loi de l'attraction ou sur d'autres thèmes, tels que l'au-delà, tels que voilà, la mort, comment ça se passe, que le corps nous parle. Et d'autres choses. Et donc, pour moi, c'était un peu la même chose. Si tu veux, quand je l'ai écrit, je me suis dit, ah, c'est évident. Par contre, là où je voyais le caractère divin, c'est que, waouh, écrit comme ça, de cette façon, et de cette façon énergisante, parce qu'il y a vraiment un transfert d'énergie très important quand on lit le livre. Eh bien, je me suis dit, bon, mais ça vient pas de moi. La loi d'attraction, ça va apprendre des choses aux personnes qui connaissent pas, ça va conforter les personnes qui connaissent mais ne pratiquent pas Il à pratiquer, doit y en avoir parce que beaucoup d'ailleurs. voilà, il y en a beaucoup. Oui, la pensée positive, je sais, oh, mais que je suis nulle. Ah ben oui, mais non. Tu sais, mais tu sais pas en fait. Pratique, parce que tu vas voir, ça va vraiment marcher. Donc je pense que c'est vraiment, le livre est fait pour ouvrir des portes et permettre des prises de conscience, parce que, voilà, les questions qu'on m'a posées, en conférence par exemple, les gens m'ont dit, mais on reçoit de l'énergie. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a même fait un test avec elle-même et le livre. Le taux vibratoire, elle l'a fait avant d'avoir le livre et après la lecture. Et le taux, et genre, elle avait pulvérisé le plafond, tu vois. Et donc, on me dit, mais on sent qu'il y a comme une énergie qui se transmet, etc. Et je pense que cette énergie-là, elle est faite pour ouvrir des portes aux prises de conscience et nous permettre de mettre en action, en fait, ce qu'on n'arrive pas encore à mettre en action. Exemple, ok, moi je faisais la loi de l'attraction. Oui, je suis quelqu'un de très aimant, qui dit, qui parle aux inconnus, qui sourit, qui donne, parce que j'aime ça, parce que ça me donne beaucoup, ça m'apporte beaucoup. Mais, exemple, je ne mangeais pas forcément très sainement. Je mangeais des produits transformés quelquefois, je triais pas parfaitement, je mangeais pas assez de bio, enfin, tu vois. Eh bien, suite au livre, alors, qu'on le croit ou pas, moi c'est ma vérité. En tout cas, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était lié à sa lecture. J'ai eu des prises de conscience par rapport à ça et j'ai vraiment un élan pour faire attention à ce que je mange, etc. Et ça n'empêche que j'y arrive pas tout le temps, mais c'est beaucoup mieux. Et il y a eu ça, il y a autre chose aussi. J'ai un respect 10 000 fois plus profond pour les êtres vivants. Alors, pas les humains, j'avais déjà une grande passion pour les humains. Mais pour les animaux, pour les fleurs, les plantes, c'est comme si une connexion s'était faite suite au livre. Et les animaux me suivent partout maintenant. Enfin, c'est un truc de dingue. Si tu veux, c'est non seulement la connexion, elle s'est faite de moi à eux, mais eux ressentent cette connexion et sont très sensibles à ça. Donc voilà, c'est des petits exemples. Après, dans le livre, il n'y a pas que la loi d'attraction. Et comme on le disait tout à l'heure, à la fin, il y a quand même pas mal de données qui. Enfin, que jamais j'aurais écrite moi. Enfin, même si j'avais des connaissances en loi d'attraction, même si pour moi l'amour universel c'est la base, voilà, il y a des choses que j'aurais pas dit, que je veux pas révéler parce que si les gens le lisent, Bien je veux sûr. pas cacher la surprise, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et quand est-ce que tu reçois beaucoup de courriers de lecteurs? Est-ce que eux Alors, aussi ressentent cette vibration eh bien. qu'ils ont en lisant le livre? Est-ce que ça a changé aussi des trucs chez eux? Oui, en fait, je reçois. Alors, courrier, c'est des emails, Oui, parce que les gens n'ont pas mon adresse bon. postale, mais oui, je reçois beaucoup d'emails, déjà d'emails pour me remercier. J'en ai reçu un et ça m'a vraiment profondément touchée. Alors, je ne sais pas si elle nous regardera, mais peut-être elle nous verra en replay. Cette personne qui m'a envoyé un mail juste avant l'émission, mais un truc merveilleux.
de gratitude et me disant que voilà, entend-nous et ce que j'ai pu lui apporter par son biais et par des canalisations lui ont été d'un grand soutien. Donc oui, j'en reçois presque quotidiennement. Et aussi sur les vidéos que je poste, parce qu'il n'y a pas que le livre, je fais beaucoup de vidéos, enfin j'essaye faire des vidéos, des textes, de donner du contenu gratuit, en plus de ce que je canalise aussi sur mon site et que là j'ai mis en vente, parce que je ne fais que ça et je vis de ça. Donc il faut bien à un moment donné ben, demander aux gens un échange, quoi. Bah, bien sûr. Mais oui, j'ai beaucoup et je remercie profondément toutes les personnes qui me témoignent de près ou de loin. Tout leur amour, parce que vraiment, je reçois énormément d'amour moi aussi en retour, et c'est merveilleux. Est-ce que tu sens que tes capacités, elles s'améliorent au fur et à mesure, ou alors après ton, je sais pas comment Ton dire, éveil, je sais pas, ouais, ta voilà. cognition. Est-ce que ça s'est resté au même niveau? Est-ce que tu entends de la même manière? Tu vois de la même manière? Tu écris de la même manière? Toujours C'est pareil? beaucoup plus facile. En fait, ce qui était plus, ce qui était, c'était moins fluide avant parce que j'avais moins confiance en moi. Et ça, c'est la différence aussi. Je respirais moins bien aussi. J'ai bien compris qu'il faut vraiment bien respirer. Tu vois, moi, là, par exemple, D'accord. hein, on voit pas en bas, mais j'ai mon bouton de pantalon qui est ouvert parce qu'il faut que je respire pour que l'énergie puisse passer. Ça, c'est très important. D'accord. Et donc, c'était moins fluide. Aujourd'hui, pour moi, c'est tellement facile. C'est presque péjoratif quand je dis tellement facile. Ça m'hallucine, si tu veux, de pouvoir faire des soins à 10, 20, 30, 50 personnes en même temps, sans aucune fatigue, de pouvoir canaliser n'importe qui, ou n'importe, entre guillemets, hein, n'importe qui, c'est vraiment pas oui, péjoratif non plus. Là, quand je dis ça, je considère chaque personne de façon très importante. Mais. Voilà, je me connecte, pop, je me pose. En plus, maintenant, je ne fais même plus sur le papier. Les trois quarts du temps, je prends mon ordinateur et puis, bon, ça vient et je prends. Et voilà, quand j'ai fini, hop, je repars à mes occupations. Ah, Ça va très, très vite. j'ai vu même sur une vidéo que tu as faite où là tu parles. Tu Oui, parles. en fait, je peux fermer les yeux et me connecter directement. Ce que je te disais en off, c'est juste que moi, ça me fait un peu flipper parce que, voilà, Oui, je voulais que tu le fasses, c'est pour ça. Ouais, je sais. Après, je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit, c'est dommage, je peux. J'ai canalisé quand même quelque chose par écrit, hein. Ah, bah tu vas nous lire ça Mais alors. voilà. Mais c'est vrai que je peux fermer les yeux et le faire. C'est juste mon stress qui Non, mais risque d'interférer. je Tu veux pas vois, te mettre c'est mal à juste. l'aise du tout, et Oh puis ça peut ne pas non, marcher aussi, voilà, il n'y a pas de problème, hein, t'en fais pas. normalement, ça marche toujours. C'est juste moi, après, qui vais être là. Bon, est-ce que c'est bien ce que j'ai Écoute, dit? C'est plus mon confort personnel, tu tu vois. verras au feeling avec les questions des internautes, parce qu'il y en a pas mal, hein. Oui, Là, je les vois, je vois voilà, on va mon faire ça. iPad qui, y a tout qui défile, là. Je pense qu'on D'accord. en a pour un petit moment après avec les questions. D'accord. On va faire Et ça comme ça, pas de problème. est-ce que tu peux nous dire ce que tu as canalisé aussi alors? Oui, ben, Ah, je l'ai bah fait voilà, pour ça, super. hein, bien Ah, sûr. génial. Alors voilà, je vous montre. Hein. En gros, j'ai fait Ah, il ça. y a quand Oui. même du texte là quand même. J'écris gros, hein, j'écris gros aussi. Mais oui, mais en général, ils ne me font pas juste un coucou, hein. Ils donnent quelque chose pour nous. Ah, Donc, bah c'est sympa. on va voir. On les remercie. Enfin, on va voir, moi je sais, mais j'espère que ça va vous plaire surtout et vous apporter déjà beaucoup d'énergie. Voilà, c'est le premier truc le plus important. Bonjour à vous tous et merci de vous être rendus disponibles pour nous. Nous sommes la source, le grand tout, et nous avons tant d'amour pour vous. Bien sûr, beaucoup d'entre vous n'ont pas accès à nous comme le fait Virginie, mais elle parle en notre nom pour vous. Elle est venue ici pour révéler la vérité à tous et elle le fait avec humilité car elle doute régulièrement de ses dons dans ce monde fou. Elle sait que d'autres le font comme elle, mais elle a peur de ne pas être à la hauteur. Voilà tout. Nous sommes chargés avec elle de vous révéler tout et nous le ferons pendant de nombreuses années car nous sommes liés à vous. Vous avez encore tant de choses à développer dans le cœur pour accéder facilement à nous. Vous devez développer l'amour des autres, mais l'amour de vous-même avant tout. Ne pas vous détourner de vos rêves et agir en accord avec vos désirs, même les plus fous. Apprendre à vivre comme cela vous rapprochera de nous et permettra à certains d'entre vous de nous entendre, même si cela peut paraître fou. Nous savons que vous voulez des preuves, même si vous croyez en nous, parce que votre éducation vous éloigne souvent de la vérité et de ce qui est universel avant tout. Mais nous ne sommes pas ici pour vous prouver quoi que ce soit, si vous avez des doutes.
Nous vous laissons penser et croire ce que vous voulez, car la vie, tôt ou tard, vous rapprochera de nous. Nous ne sommes pas venus pour faire des prédictions dans un avenir qui vous semble flou. Nous vous dirons simplement que le monde nouveau sera fait d'amour et que vous serez parmi les premiers faiseurs de miracles lorsqu'il faudra reconstruire, en tout cas beaucoup d'entre vous. Vous êtes ouverts, éveillés, comme le diraient beaucoup. Vous cherchez la vérité et la reconnaissez lorsqu'elle se présente à vous. Vous ne serez pas déçus de rester auprès de nous, car vous y gagnerez énergie, bienveillance et beaucoup d'amour. Aujourd'hui, rien n'est plus précieux, vous direz-nous. Nous sommes énergie d'amour avant tout, bienveillance et tolérance pour chacun d'entre vous. Nous vous laisserons donc venir à nous pour que vous trouviez les réponses que vous cherchez depuis toujours, un peu partout. Nous vous aimons, vos parents du ciel. Eh ben dis donc. Voilà Ah le ouais. message. Ah mais si, donc, ça pourrait faire partie du livre, hein, du deuxième tome. Oui, mais voilà, en fait, si tu veux, après, attends, je sors de la caméra 2 secondes, je vais te montrer un truc. Ah ouais. Elle sort de la caméra 2 secondes. Donc, plan sur moi. Ah, attends, plan hop sur là, toi. plan sur toi. Voilà, ouais. Alors voyez ce... Bon, il y a un dessin dessous, mais voyez ce cahier. Ouais. Tu vois, ça, c'est ce que j'écris moi en privé. D'accord. C'est le deuxième, j'en ai un autre plein, j'ai un classeur aussi entier. Donc, je reçois pour les gens, je partage, je mets sur mon site. Mais j'ai aussi énormément de connexions pour moi, pour me coacher, pour me conforter, pour conforter aussi ma famille, pour m'aiguiller dans mes choix, etc. Tu vois. Donc, quand tu dis, ouais, ça pourrait faire partie du livre. Et en fait, j'ai l'impression que tout ce que j'écris pourrait faire partie du livre. Mais bon, bon les trucs perso, peut-être pas. Mais... Tu as des Mais tu réponses vois, perso des fois? Sur un petit oui, problème. alors, oui, toujours, en fait, j'ai toujours les Ouais. réponses, mais pas forcément comme on l'entend en termes de voyance. Tu vois, c'est de la guidance. Il y a vraiment une nuance entre les deux. C'est-à-dire que, en fait, avant, je faisais vraiment de la voyance avec les cartes et tout. Aujourd'hui, avec l'évolution spirituelle que j'ai eue, etc., je m'y refuse, en fait. Je ne veux plus, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas que je le juge mal, c'est juste que je n'en ai plus l'intérêt. Ni pour moi, ni vis-à-vis des gens qui venaient me voir. Donc, en plus, il y a des gens qui sont très, très doués pour ça et qui peuvent facilement me remplacer. Donc, c'est super. Mais en fait, quand je pose des questions aujourd'hui, c'est plus pour m'aiguiller, me conforter dans les choix que je peux faire ou me conforter par rapport au livre, par rapport à certaines choses comme ça. Ou ma vie personnelle, me donner des conseils sur comment être plus en phase, comment être mieux, Non. comment, je ne sais pas, voilà. Mais c'est vrai que des questions type quand est-ce qu'il y aura telle chose, Ouais. non. Tu vois, ça, je ne fais plus, ça ne m'intéresse plus, en fait. Et en plus, je n'aurai pas la réponse. Il se débrouille toujours pour... Que ce soit juste sans être parfaitement exact, tu vois. Enfin, Pour donner une parce espèce de que, libre arbitre, quand même. alors, il y a de ça, il y a le libre arbitre, et il y a aussi qu'en fait, enfin, c'est ce que j'ai compris. Pour moi, la divine vérité, c'est la vérité qui t'aide à évoluer, et non pas la vérité terrestre, la vérité humaine qui va te demander de quantifier, de qualifier, de dire quand, où, comment, tu vois. Nous, on a été éduqués, et c'est ce qu'ils disent, votre éducation vous a détourné de la vérité parce qu'en fait, on veut des preuves. On veut que machin, tu l'as, quand, comment, vas-y, dis-moi. J'ai eu des fois des gens qui me disaient, mais bon, alors, si vous êtes voyante, dites-moi comment je m'appelle et quelle est ma date de naissance et après, je vous consulte. Moi, je répondais, mais je m'en fiche complètement de vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu par moi, allez voir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas m'amuser à ça parce que ça ne marche pas comme ça. Et plus on s'élève, alors pas, plus on s'élève dans les strates énergétiques, tu vois, je ne parle pas de moi en tant qu'humaine, Oui. je parle de la connexion, plus les niveaux sont élevés, moins les réponses vont être fiables, on va dire, sur le contenu factuel. Parce que le seul intérêt qu'ils ont, c'est de t'aider à évoluer et à être plus heureux. Oui, on Alors, a une différence culturelle quand même, là-haut, voilà. chez nous. Après, c'est souvent juste hein, quand même parce qu'ils te connaissent par cœur. Par exemple, tu vois, je fais des canalisations pour les livres. Je dédicace souvent les livres. Et bien, les gens se retrouvent parfaitement dedans. C'est le doigt sur le truc que tu vis actuellement ou sur ton caractère à toi. Et donc, j'ai des retours par mail de gens sur
ben, les dédicaces ou sur les canalisations que je pouvais faire ou que je fais de temps en temps en me disant, mais ils me connaissent trop bien, quoi. Quand Ben ouais, quand tu fais une maintenant. dédicace, tu canalises et tu laisses un Voilà, petit mot en canalisant. je canalise. En fait, C'est énorme. si, des fois, c'est plutôt un gros comme Ouais. ça. Alors, pour l'instant, j'ai encore le temps de le faire. Ça dépend du nombre de commandes parce que c'est moi qui fais tout. C'est moi qui les envoie par la poste. Il faut que je les mette sous pli. Il Ouais. faut que, tu vois. Et ben, canaliser pour un livre, ça me prend un peu de temps. Donc, si j'en ai 10 à faire, c'est tous les jours, c'est compliqué, tu vois. Je me souviens, à une conférence, j'en vendais 30 ou 40, tu vois. J'en avais une salle de 30 ou 40 personnes. Tous, ils m'en prenaient un. Et ben, j'en avais. Alors, je faisais la conférence de 1h30, 2h. Et je partais chez moi à minuit, tu vois. Parce que ben, le temps de faire, puis tu as toujours un mot, un échange. Mais oui, c'est vrai que c'est le petit plus aussi que les gens aiment. C'est qu'ils ont leurs petits mots pour les éveiller, quoi. D'accord. Alors, le deuxième tome, il est prévu pour quand? Alors, d'après la source, dans ce qui est écrit dans Entends-nous, le deuxième Deuxième tome, tome. c'est dans à peu près 5 ans. Avant, il y aura des échanges entre nous. Il y aura, donc je pense, des questions-réponses sur différents thèmes qui ne sera pas une suite d'Entends-nous, mais qui apportera quand même des réponses. Ça, théoriquement, c'est d'ici 2 ans, je crois. Mais en cours, j'ai plein d'autres projets. En fait, j'ai déjà un autre livre qui est prêt, qui est un livre d'accompagnement, de développement personnel. Ça, j'en ai plein sous le coude, qu'il faut que je finisse parce que ça, je manque de temps, en fait. Que je finisse, que je mette en forme et puis après que j'édite. Parce que c'est pareil, je les ai auto-édités, ces livres, donc il faut sortir les Ouais. fonds, etc. Et puis, bon, mais quand tu en as assez, tu peux réimprimer, C'est etc. clair. Je crée aussi des canalisations, des formations, des coachings. Donc j'ai beaucoup de choses en cours et j'ai une fille que je garde à domicile de 2 ans et demi, comme on en parlait tout à l'heure. Donc elle va rentrer à l'école en septembre. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer en septembre. Tu vois, Voilà, beaucoup de tout. créations de mon côté. Tu fais des soins énergétiques aussi? Alors oui, j'en ai fait en Ouais. individuel. Aujourd'hui, je l'ai fait en collectif quand il m'arrive de faire des ateliers ou des conférences. Et j'aimerais en fait créer une façon de faire des soins énergétifs collectifs parce que je ne ressens pas de limite dans ce que je peux donner quand je suis connectée. Et donc, pas de limite dans ce que les personnes peuvent recevoir finalement. Et en plus, je n'en ai pas non plus. Enfin, pour moi, voilà, que ce soit par écran, limite si je fais un soin en vidéo, si je te le faisais, là, tu recevrais l'énergie, il n'y aurait aucun souci. Parce que, en fait, nous, on se limite intellectuellement avec le rapport espace-temps, mais en fait, à un niveau énergétique, ça n'existe pas. Donc, Oui, excuse-moi, vas-y. oui. Continue. Et par exemple, quand je faisais les soins énergétiques en individuel, je disais à la personne, je vous ferai le soin tel jour. Parce que j'adore la liberté et je déteste avoir des impératifs horaires, ce genre de choses. Donc finalement, je leur disais, ben, tel jour, je vous envoie un mail, parce que je ne faisais pas en visuel, en téléphone, rien, je faisais que par mail. Ça me permettait de préserver ma liberté. J'envoyais l'énergie et je faisais le retour canalisé de ce que j'avais perçu pour la personne. Mais je le faisais ce jour-là. Et des fois, je le faisais 2 jours avant, parce que j'étais en avance sur mon planning. Ou jamais après, mais tu vois. Et les gens me disaient, mais j'étais pas préparée. Je disais, mais il n'y a pas besoin, en fait. Vous n'avez pas besoin, vous, de vous connecter. Quoi qu'il arrive, vous allez recevoir l'énergie. Et c'est toujours ce qui se passait. Alors qu'on soit sensible ou non, il y en a qui ressentent l'énergie Ouais. plus que d'autres, si tu veux. Mais des fois, il y en a qui disent, ah, mais je savais bien parce que je ressentais une intense fatigue, là. Et puis des picotements et de la chaleur. Je me disais bien qu'il se passait quelque chose. Et pam, j'ai reçu votre mail. Tu vois? Des trucs comme ça. Donc, c'était Synchronicité. rigolo. Ouais. Et sous quelle forme tu le fais, le soin énergétique? Donc là, c'est du Reiki à distance? Pas C'est du pas tout, du tout? enfin, je dis pas du tout dans la mesure où j'ai suivi aucune formation et que c'est tout intuitif, D'accord. comme c'est par canalisation en fait. Et si tu veux, mes mains partent toutes seules. En gros, ça part comme ça. Alors des fois ça va là, des fois ça va là, des fois ça descend. Je sais pas concrètement pourquoi ça va à certains endroits. Puis en plus, quand les gens sont pas là, c'est dans ma tête. C'est-à-dire, je visualise et allongée, et puis mes mains elles partent dessus, et voilà. Et quand il y a 10 ou 15 personnes, je les fais, alors quand ils sont en présentiel, ils se tiennent la main et moi je me mets un peu plus loin pour pouvoir englober l'énergie globale finalement et les mains partent. Mais en plus, ça dure pas longtemps, tu vois, c'est quelque chose, ça a duré quoi,
4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, c'est vraiment très court. Et c'est pourquoi j'aimerais faire ces soins énergétiques en collectif, sous forme soit de rendez-vous mensuel, peut-être, où on se connecte, et l'énergie collective en plus décuple, Plus forte. et on se connecte, on fait le soin, et voilà, et tous les mois on se retrouve, ou toutes les 3 semaines on se retrouve pour faire ça, parce que en fait, j'aime pas la limitation limitation géographique. Ni la limitation de rendez-vous bien précis, tu vois, où t'as pas de liberté, etc. Je me dis que tout ça, avec l'air du temps, avec les ordis et tout, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses, on se limite juste avec nos esprits. Donc tout ça, c'est en cours de gestation, mais à mon avis, ça ne saurait tarder, ça va avoir le jour bientôt, je pense. Justement, géographiquement, tu es situé où? Je suis en région bordelaise, près de la plage à Marcheprime, c'est près du bassin d'Arcachon. D'accord. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou alors on va passer aux questions des internautes? Je veux, oui, rajouter un Vas-y, bien truc, sûr. un tout petit truc. Je veux te dire merci profondément C'est de gentil. me recevoir. Ça me touche beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui sont là et qui prennent part à notre discussion et qui ont posé des questions, qui s'intéressent. Voilà, je suis émue, mais ça, c'est habituel chez moi. Je chiale très souvent. Voilà, merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire. Alors donc avant de passer aux questions des internautes, on va passer d'abord à la rubrique RVA et les rendez-vous de l'au-delà RVA qui va nous parler d'un petit clin d'œil de là-haut. Un grand bonjour aux trois belles âmes de cette émission, à savoir toi, Philippe, et les deux chères Christelle, ainsi que tous les internautes, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est d'une histoire de bougie dont je vais vous parler. À l'époque, nous avions organisé avec ma maman une petite séance dite spirit à l'aide d'une bougie par rapport au souhait de contacter le frère de ma maman décédé depuis des années. Donc, nous avons allumé une bougie, nous avons attendu, et puis c'est vrai que ça commençait à être un petit peu long. Et au moment de mettre fin à la séance, la bougie s'est subitement éteinte, alors qu'elle n'avait pas du tout fini d'être consumée. Alors ça, c'était déjà un premier petit signe très très sympa de là-haut. Et puis après quelques minutes, après avoir échangé toutes les deux, nous avons décidé de quitter la pièce. Et là, la bougie s'est subitement rallumée. Alors il est vrai que nous étions très surprises, mais nous avons accueilli ce petit signe de l'au-delà d'une façon merveilleuse et symbolique, puisque la bougie est censée représenter la lumière et qu'il était en train de nous dire « Je suis bien, je suis dans la lumière », un petit clin d'œil lumineux depuis là-haut. Voilà, je vous embrasse tous très fort et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup RVA de Arc-en-ciel et Magie de l'univers à la chaîne YouTube. Donc on va passer aux questions. Donc générique des questions. Voilà, je prends ma petite tablette et c'est parti. Alors il y en a un wagon. Alors on va commencer. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête, je buvais un petit peu. Alors, Je t'écoute. serait-il possible d'aborder la question de l'énergie libre dans le futur de l'humanité? SVP, qu'en pensent les guides? Merci d'avance. D'accord, ben écoute, hein, je vais fermer et on va voir ce qui vient. Alors, j'ai toujours, désolée, hein, j'ai un peu peur de me tromper, tu sais, bon, je m'y mets, je m'y mets. L'énergie libre. L'énergie libre, c'est en réalité ce que vous êtes déjà capable de faire. Vous êtes capable de matérialiser l'énergie, de la modifier, de la transporter et de manifester toutes sortes de choses grâce à elle. La guérison notamment, l'amour encore plus puissant. Libéré par elle, vous pouvez tout grâce à elle, mais vous ne l'utilisez pas consciemment. Vous attendez toujours plus tard pour faire. Le nouveau monde est là, à vos portes, prêt à éclore, et vous pouvez déjà consciemment utiliser cette énergie pour manifester vos envies, vos besoins, vos espoirs, l'espoir d'un monde de paix. L'espoir d'un monde de santé aussi, l'espoir d'un monde d'amour
pour la collectivité. Ben merci, hein. Alors, j'ai juste un truc Ouais. à dire. Moi, personnellement, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que l'énergie libre, je ne savais pas ce que la personne entendait vraiment dedans. Donc, je me suis dit, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis bon, voilà, Bon, bah écoute, ça m'a semblé fluide quand c'était ils l'ont dit. complètement fluide. Il y a, Voilà. je pense que la personne était, je pense que c'est A bien Balerion qui pose la compris. question, a bien compris. D'accord. Voilà. On va passer à la question de Michel. Alors, ça va être encore une question à À 12 fois. canaliser. Que pensent les guides de la reconnaissance officielle des extraterrestres par tous les gouvernements? Merci. D'accord. Alors, entends, nous n'avons rien à dire de particulier là-dessus. Nous savons et vous savez qu'ils existent, qu'ils sont là puisqu'ils sont venus vous aider, et qu'ils viendront encore par de différentes façons et un grand nombre de fois se manifester à vous. La reconnaissance par vos autorités n'a pas de valeur à nos yeux. La reconnaissance par la collectivité en a une. Les autorités essayent d'étouffer ce que la collectivité ne pourra faire que voir. Prochainement, dans les mois qui viendront, il y aura un grand nombre de manifestations de cet ordre. Les extraterrestres, comme vous les appelez, sont des êtres en réalité d'une grande normalité. Ils sont différents de vous, mais ne l'êtes-vous pas entre vous? Aujourd'hui, vous attendez des phénomènes venus du ciel pour croire ou pour manifester l'éveil que vous attendez dans ce monde. Cependant, vous n'avez pas à attendre, comme nous l'avons dit précédemment. Vous pouvez tout aussi bien les appeler, connecter avec eux par de différentes façons, de différentes manières. Vous pouvez les canaliser si vous le souhaitez. Vous pouvez même, si vous arrivez à modifier votre énergie, capter leur essence et les voir vibrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense que ça a dû satisfaire aussi. C'est une réponse. J'espère, j'espère. Quand je suis temps, je suis là. Non, c'est super. Est-ce que tu t'écoutes? Je relirai, Ouais, quand tu canalises, tu t'écoutes ce que tu dis? Enfin, tu es spectatrice? je réécouterai. En fait, oui, je suis spectatrice. Et en fait, au début, c'est ça qui est dur. C'est au début, je me dis, oh, mais en fait, c'est ma peur, si tu veux, Ouais. qui agit au début, où je me dis, oh. Wow, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce que je vais Ouais. dire? Tu vois? Et une fois que je suis dans le flow et que surtout il faut vraiment que je pense à bien respirer, parce que là, voilà, c'est un exercice pour moi, c'est pas quelque chose que je fais. Je le fais jamais en salle ou quoi, donc ça me met la pression. Mais bon, c'est cool, hein, sortir ma zone de confort, c'est très cool, hein. Dès que Je tu demande que sens ça. s'il y a un problème, tu le dis, il n'y a pas de souci. Non, On est sur la mais en chaîne, on ne fait, vous demande pas d'y croire, de toute façon. voilà, ça sort. Et une fois que c'est fait, je me dis, ok. Ça avait l'air cool, ça avait l'air bien, il faudra que je réécoute parce que. Mais je suis là, si tu veux, je comprends ce qui est dit. C'est juste que ma mémoire immédiate, elle est altérée et que mes peurs me font un peu faillir, me disent oh, j'espère que c'était juste. C'est bon. Ok, on passe à la question suivante. Alors, c'est Laurence. L'accompagnement spirituel inclut une ouverture pour communiquer avec les guides ou est-ce un accompagnement de vie dans le sens général? Alors, pour moi, non. Enfin, je vais essayer de répondre en étant. J'espère que j'ai bien compris la question. L'accompagnement spirituel, tel que je le pratique, il ne nécessite pas ça, puisque finalement, avant de canaliser, j'accompagnais déjà les gens vers un éveil spirituel en utilisant les outils que moi-même j'avais utilisés pour m'éveiller. Donc, je pense que des thérapeutes peuvent tout à fait, sans être canal ou médium ou même voyant, accompagner de façon tout à fait juste les personnes, parce que, en définitive, quand on est déjà ouvert à ce monde-là, on perçoit les vérités déjà universelles, on est guidé, on est intuitivement guidé par là-haut, hein, à aider les gens. Donc, ça ne nécessite pas une ouverture. Maintenant, le fait de faire un travail vers du spirituel, un travail accompagné par quelqu'un vers du spirituel, peut aider
à l'ouverture de canaux, peut aider à redécouvrir la médiumnité, peut aider. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à moi suite au livre, par des ateliers ou des conférences, enfin beaucoup. J'en ai eu qui sont venus me voir en me disant, mais est-ce que c'est possible? Je canalise moi aussi la source. Et alors au début, j'étais là, ben, je ne sais pas, je vais demander. Et donc, il disait, j'ai reçu un message et c'était signé vos parents du ciel ou tes parents du ciel, tu vois. Et donc, et tout de suite, ils ont douté. Ils disaient, bah, pareil que moi, pourquoi moi, machin. Et donc, j'ai demandé, ils m'ont dit, oui, c'est nous. Mais après, ce n'est pas forcément exactement la même façon que moi, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout le temps qu'ils peuvent avoir accès à la source. Par contre, ils ont eu accès pour leur montrer que c'était possible, ils peuvent canaliser des anges ou autre chose, tu vois. C'est une façon d'ouvrir, mais ce n'est pas systématique. Après, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui se tournent vers la spiritualité sont des personnes, enfin, je pense qu'on a quasiment tous des facultés, pas toutes les mêmes, mais en tout cas, on est tous à même de développer un certain nombre de capacités. Que ce soit en énergie ou que ce soit en guérison, parce que pour moi, la guérison, ça peut être aussi par le conseil verbal. Tu vois, tous les coachs qui se mettent, ben, moi, je trouve qu'ils sont extraordinaires et ils sont presque quelquefois plus percutants qu'un médium ou un canal. Ben là, il y a la suite de la question en fait, hein. C'est OK? est-ce que tout le monde de spirituel est capable de faire de l'écriture automatique? Est-ce dangereux pour attirer les gens du bas astral? Ça, c'était la question Alors, que je t'ai posée aussi tout à l'heure, si tu n'avais pas ouais, voilà. attiré des... Alors, moi non, mais c'est pas. Finalement, moi j'ai fait de l'écriture automatique que très peu. Et je l'utilise encore aujourd'hui juste pour les signatures ou quelques petits trucs parce que ça me plaît de ne pas savoir quelque part ce qui va être écrit. Tu vois? Parce que c'est. Des fois, ton mental joue et il se dit, oh ouais, mais est-ce que c'est pas ce que j'ai envie d'entendre? Tu vois? Surtout quand il s'agit de messages perso pour moi. Oui, c'est sûr. Voilà. Alors. L'écriture automatique, ce que j'en sais, sans être une experte et sans être un instructeur ou un formateur de ça, moi je suis formatrice plutôt en écriture intuitive, donc ce que je fais, c'est-à-dire c'est mon écriture, c'est ma conscience, et je transmets, il passe par le canal de ma conscience pour transmettre des mots, et je ne suis pas possédée, entre guillemets, on ne me prend pas la main pour écrire. Ce qui est le cas dans l'écriture automatique, où là on prend possession, entre guillemets, parce que ça fait toujours peur ce mot, de ta main pour que le stylo parte sur la feuille, etc. Donc là, oui, il y a des risques. Peut-être qu'en canalisation, il y en a aussi. En tout cas, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'en encourir. Et comme je te l'ai dit, je n'ai pas vécu ce genre de traumatisme. Cependant, ce que je conseille toujours aux gens, ben, s'il y a des peurs qui sont présentes, de effectivement bien remonter leur énergie. Donc ça va passer par la méditation, ça va passer par la gratitude, ça va passer par une prière pour se rassurer, une bougie, ce qu'on veut, du moment qu'on se sent connecté et qu'on se sent bien. En fait, l'important, c'est comment on se sent. Et oui, il y a des risques d'avoir du bas astral si tu n'es pas dans une énergie qui est bonne, parce qu'en fait, ils vont capter ce manque d'énergie et s'y infiltrer, si je puis dire, pour te garder, quoi. Alors, je te conseillerais à ce moment-là de te faire aider si tu veux le faire, mais je pense qu'on est tous capables de ça. Mais il y en a qui ne le veulent pas aussi. Bien sûr. Tu Ok, vois? merci beaucoup. Maïlis, a-t-elle les mêmes genres d'infos que dans Conversation avec Dieu, ou y a-t-il des livres avec des renseignements plus justes? Alors, moi, je trouve qu'il s'apparente beaucoup, et c'est ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, il s'apparente beaucoup à Conversation avec Dieu, surtout le premier tome. D'accord? Donc, on sait bien, il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai découvert récemment qu'il y en avait quatre qui portaient ce nom-là, mais en fait, il en a écrit genre 15 avec d'autres noms, mais qui sont aussi la même source. Donc, déjà, je ne les ai pas tous lus. Je ne peux pas te dire pour le reste. Mais pour ceux que j'ai lus, et notamment le premier, oui, les informations sont du même genre. Cependant, c'est écrit totalement différemment. S'il n'y a pas de chapitre déjà, ce n'est pas un échange entre la source et moi. C'est la source qui parle de but en blanc comme pour ça, quoi, tout le long. Et il n'y a pas de chapitre. Donc c'est en gros, tu vas prendre la leçon directe avec tout ce qui a marqué dedans pour t'aider sur l'amour, sur l'amitié, sur l'argent, sur la santé, sur l'alimentation, sur l'écologie, sur l'homosexualité, sur plein d'autres choses, parce que je n'ai pas tout qui me vient à l'esprit. Et voilà, et c'est très, très condensé. Cependant, c'est très clair. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais les phrases sont claires
et limpide. C'est juste que c'est tellement condensé qu'il faut quand même le lire et le relire parce que, en plus, ça a une valeur énergétique. Plus tu vas le lire et plus tu vas t'imprégner d'énergie positive et donc changer de taux vibratoire. Donc, moi, je trouve que Conversation avec Dieu a eu un peu cet effet-là sur moi. Quand je le lisais, je me disais, oh, mais oui, mais bien sûr, mais c'est tellement évident et tellement limpide. Ben, j'ai la même réaction avec Entends-nous. Et à la fois, quelquefois, je le trouvais compliqué. Je trouvais une conversation avec Dieu un peu complexe. Alors, est-ce qu'il fallait que je relise, il fallait que je m'en imprègne, mais parce que c'était dur à comprendre pour moi. Alors que, entendons, c'est pas que c'est dur, c'est juste que c'est dense. Enfin, pour moi, voilà la différence. D'accord. Merci beaucoup. Laurence, qu'est-ce que la source? Dieu, nous ou les deux? Alors, pour moi, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer un peu au début. Si je devais définir ce que je capte, c'est une énergie pure d'amour et de bienveillance. Voilà comment je définirais. J'imagine qu'on peut qualifier Dieu aussi d'énergie d'amour et de bienveillance. On dit la source aussi parce qu'elle est source d'énergie et finalement on en fait partie. Donc oui, c'est les deux. C'est Dieu, si tu veux l'appeler comme ça. Moi, j'aime pas trop parce que tout de suite, oh, la religion, le truc, le gourou, le machin. Moi, je suis pas du tout un gourou. Chacun fait ce qu'il veut. Si on croit, c'est cool. Si on croit pas, voilà. On vous demande pas d'y croire, hein? Exactement. Voilà. C'est ça? Eh bien, voilà, moi je suis là parce que je voudrais que le plus grand nombre de personnes possible lisent Entends-nous parce que je sais que réellement ça fait énormément de bien et que c'est plein d'amour et que ça va beaucoup apporter aux gens. Maintenant, si c'est un autre chemin que les gens empruntent pour aller bien, eh bien tant mieux, c'est pas, voilà, Voilà. c'est pas grave. Mais oui, si je dois définir la source divine, pour moi c'est une énergie pure d'amour qui peut se nommer Dieu. Qui est aussi une partie de nous, on y est connecté, on est une particule de la source. Enfin, voilà, si j'espère avoir répondu à cette question. D'accord, il n'y a pas de problème. Sylvie, alors là par contre, la question, je ne sais pas si tu vas répondre en canalisation ou pas, mais j'ai un petit peu de mal à saisir où elle veut en venir. Alors je vais la lire, hein. Quand cette mascarade orchestrée va se terminer, la lumière sera-t-elle faite sur toutes ces décisions pas très claires? Les Français vont-ils réagir comme ce qui s'est passé à Berlin et Londres? D'accord. Bah, j'imagine qu'elle veut de la canalisation, donc je vais, enfin, j'imagine. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus, et je vais plutôt les laisser dire. Je pense qu'elle sera plus intéressée par ce que eux ont à dire que moi. Alors, nous n'appellerions pas ça une mascarade organisée, je crois que c'est ça qu'elle a C'est dit, non? ça, c'est ça. Orchestré. Orchestrée. Nous dirions davantage que cette mascarade était nécessitée pour vous permettre un éveil plus grand et plus développé. Plus grand, quoi. La majorité avait besoin de s'éveiller. La majorité avait besoin d'ouvrir les yeux sur les organisations qui sont en train de vous manipuler, de vous donner des fausses vérités pour vous gouverner, vous contrôler. Cette mascarade est nécessaire à de nombreux niveaux pour vous permettre de passer un palier énergétique qui est associé à une prise de conscience collective qui va grandement vous faire évoluer. Aussi, pour répondre à ta question, nous te dirons que oui, tous les masques vont tomber à plus ou moins. Alors, j'allais dire à plus ou moins grande échelle, mais c'est pas ça. À plus ou moins. Alors, tous les masques vont tomber de façon plus ou moins éloignée en termes de temps. Et vous découvrirez tous la vérité, la France en premier. C'était pas la première à dire qu'il va y avoir une révélation ou il va y avoir quelque chose qui va réveiller Un les gros gens. costaud. Ouais. Là, sur la dernière canalisation que j'ai postée, ben, genre il y a 2 jours, tu vois, elle était costaud celle-là parce que je m'attendais pas spécialement à ça. Si tu veux, moi, il me donne vraiment beaucoup d'amour et vraiment c'est de la guidance spirituelle, l'accompagnement, mais pas, voilà, pas des prédictions avec pertes et fracas, genre ah, vous allez voir ce qui va vous passer, il va se passer et tout. Voilà, c'est toujours plutôt les jours heureux arrivent.
Ayez confiance, gardez espoir, ça y est, vous êtes au bout du chemin, enfin voilà, accrochez-vous, méditez, faites ci, faites ça. C'est plutôt voilà, l'accompagnement à s'ancrer pour être heureux. Et là, sur la dernière canalisation que j'ai faite sur papier et que j'ai lue, hein, je ne l'ai pas faite en live, eh bien, il y a une annonce justement de révélation au grand Ouais. public, que ce soit au point de vue de la mascarade orchestrée, ou des extraterrestres qui arrivent, tu vois. Enfin, moi, c'est clairement comme ça que je l'ai interprété, parce que c'est toujours pareil, c'est dit avec des bons mots, tu vois, un peu poétique. Mais pour moi, c'est très clair. Et d'ailleurs, mon père, on en parlait, il me faisait des textos hier, et il me dit, mais ça veut dire qu'il va y avoir les extraterrestres et tout, qu'on va les voir, machin. Et bon, si, on sait déjà qu'ils sont déjà là, mais je veux dire, là, à grande échelle, tu vois. Et je lui dis, ben oui, enfin moi, clairement, c'est ce que je comprends, quoi. Ok, on passe à la question suivante. Judith, alors bonsoir, Gita Malache, dialoguant avec l'ange, et vous, qui est-ce? Je ne comprends Oui, pas la question. alors Gita Malache, c'est sûrement quelqu'un qui dialoguait avec un ange, mais D'accord. je connais pas non plus. Ah mince, alors je ne vais pas Bah pouvoir écoute, répondre à la question. Ce que je peux dire, si la avec question, qui tu qui dis, est-ce avec qui qui tu dis, communique? voilà. Eh bien, moi, c'est la source. Alors, pas tout le temps, d'accord? Il y a des fois, si je demande, je peux communiquer avec d'autres. Donc, ça m'est arrivé, pour me rassurer, de demander à la Vierge Marie, par exemple, à Jésus, à Padre Pio. Voilà, ce sont voilà, ce sont des personnes qui font partie de ma culture. Et bon, mes guides, mais en fait, mes guides sont aussi, c'est aussi la source, tu vois, en grande partie. Et donc, principalement, mais quand je communique, c'est la source. Mais aussi, je sais que tu as reçu Virginie Lafon, qui est une de mes amies, et j'ai aussi un dragon protecteur, j'ai aussi pu communiquer avec lui. Voilà, les anges aussi, les archanges, l'archange Raphaël notamment. Bon, voilà, maintenant, c'est pas récurrent parce que ben, moi, quand je connecte de façon, on va dire, intuitive, c'est la source qui répond tout de suite. Mais si je faisais la demande de communiquer avec quelqu'un d'autre, que je connais, parce que c'est pareil, je suis limitée par mes connaissances. Je ne vais pas demander à, je ne sais plus le nom de la personne qu'elle a dit. C'est Judith. Oui, mais l'archange, elle Ah, a dit Gita quoi? Malache. Gita Malache. Voilà, mais, tu vois, ça c'est hors de mes connaissances, ben, forcément, je ne vais pas lui demander. Ça va s'arrêter à ce que je connais. Bien sûr. Alors, Laurence qui demande, la 5D, c'est pour quand cette année? Alors moi, je crois personnellement qu'on y est déjà. On est déjà un certain nombre d'entre nous y est déjà. En tout cas, on bascule. On est en bascule énergétique et c'est pour ça qu'on est très fatigué. C'est pour ça que, enfin, je sais pas. Je dis on comme si c'était une généralité. En tout cas, c'est mon expérience et l'expérience de beaucoup de gens que je côtoie qui sont dans un domaine, dans le domaine de l'énergie, qui la ressentent. Voilà, on a une extrême fatigue qui nous empêche souvent d'être dans le faire et qui nous oblige à être dans le être pour pouvoir rééquilibrer et stabiliser. D'accord. Donc je crois qu'on est en pleine bascule, que les capacités, et ça je le vois aussi autour de moi, les capacités des gens se développent énormément. Je vois beaucoup de gens qui ont des facultés à canaliser là où avant ils n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, ou qui ouvrent des portails, qui font des voyages astro, des choses comme ça, tu vois. Maintenant, je peux demander à la source, j'imagine que ma réponse n'est pas celle qu'elle attendait, mais je vais voir s'ils ont quelque chose à dire pour ça. Ah, j'entends, nous sommes d'accord avec toi. Ça fait rassurant déjà sur la base, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'arrêter là. Nous dirions donc que la 5D n'est qu'une étiquette de plus que vous posez sur les choses. En réalité, il ne faut pas scinder les mondes. Il ne faut pas croire à un avant ou à un après, puisqu'il y a une transition qui se fait entre les deux et que vous êtes dans cette transition. Certains d'entre vous, comme l'a dit Virginie, ont déjà basculé, énergétiquement parlant, spirituellement parlant, physiquement parlant. Et nous insistons sur le terme physiquement parlant dans la 5D. Pourquoi nous insistons sur ce terme? Parce qu'il y a un changement d'ADN qui se produit.
Il y a un changement vibratoire tellement intense dans vos particules que votre santé est perturbée. C'est pourquoi de grandes fatigues sont ressenties par la plupart de nos envoyés et que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas l'expliquer. Une fatigue, certes, mais un changement dans vos capacités, comme vous l'avez évoqué. Beaucoup d'entre vous peuvent aujourd'hui canaliser, chose qui n'était pas possible par les temps passés. Mais il n'y a pas que cette façon de s'éveiller, il y a aussi des guérisons instantanées, des manifestations d'objets et toute autre sorte de choses que vous ne pouvez imaginer et qui pour l'instant restent au secret par peur d'affoler. Merci beaucoup. Voilà. On va passer à une petite question un petit peu polémique. Alors, c'est Okay. Maïlis. Okay. Devons-nous nous insurger contre cette nouvelle loi sur l'avortement au 9e mois pour convenance? Ou est-ce prévu pour l'enfant qui vient d'être ainsi sacrifié et utilisé en cellule fraîche? Cellule fraîche. Ouais, ça, c'est peut-être ça, mais Cellule parce souche. que toi comme moi, on ne sait pas Ouais. trop ce que ce Je qu'il y a derrière. Enfin, toi, je ne sais pas, mais moi, J'étais je ne même pas sais au pas. courant de cette loi, alors Voilà, c'est ce que je j'allais te t'avoue. dire. J'allais dire, alors moi déjà, je regarde pas la télé, je regarde pas les infos. Donc, ce que j'en sais, c'est ce que mon mari me dit après les avoir lus sur son téléphone par différents biais. Donc ça, je savais pas. Ce que je veux dire et je crois que ça va être juste, j'en demanderai confirmation. Mais c'est presque, tu vois, en fait, il y a aussi un truc qui se développait en moi, c'est la claire connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je sais que c'est ça la réponse. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sais et ça sort tout seul. Et voilà, et c'est juste. Et souvent, quand ça se passe comme ça, ben, j'ai des espèces je dis des crépitements, mais en fait, c'est comment on appelle ça, la chair de poule. La chair de D'accord. poule est particulièrement là, tu vois, au Ouais. cracra-cou. Donc là, je me dis, bon, c'est juste. Donc ma réponse, ce serait que il n'y a pas, il faut pas, enfin moi, je ne vois rien dans la violence. S'insurger, c'est donner de la valeur énergétique à la chose contre laquelle on est. Ça ne veut pas dire accepter tout. Tu as le droit d'avoir une opinion et tu as le droit d'être contre et de respecter la vie, telle que là, pour un avortement, une âme qui repart. Cependant, moi, ce que je crois, c'est que tout est juste. Donc là, ça crépite. Que si ça arrive à ce moment-là, c'est pour permettre peut-être justement un changement dans les états d'esprit et que cette âme a choisi inévitablement ce qui allait se passer. Hein, elle n'est pas venue sur Terre en disant « Ah oh, zut, il faut que je reparte » parce que finalement, ils ont mis une loi. Non, 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 tout ça, c'est prévu, t'inquiète pas. Et cette âme ne meurt pas concrètement. Elle repart juste à la source et elle a fait son chemin en aidant la personne qui a avorté pour convenance, comme tu l'as dit, à faire son chemin de deuil. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on avorte et que tout le monde s'en fout. Je veux dire, la personne qui fait ça, c'est dur, c'est un chemin aussi. Donc pour moi, tout est juste et il n'y a pas de jugement à avoir. Ce qui est aussi transmis dans les enseignements de la source, dans les enseignements d'Entends-nous, c'est que jamais ne juge le chemin d'un autre parce que tu ne sais pas vraiment du tout par quoi il passe et comment, en fait, ça va l'éveiller quelque part. Il va probablement te surprendre et peut-être même arriver avant toi tout en ayant fait une horreur avant. Donc, moi, je pense que s'insurger, que ce soit contre le vaccin, contre ce qui se passe, les masques, le truc, ça, en fait, ça ne fait pas du tout partie de mon état d'esprit et ça ne fait pas du tout partie de ma façon de vivre. Je respecte les lois qui sont données. Je ne suis pas forcément d'accord avec, mais ça ne fait pas pleurer mon âme de le faire parce que je veux respecter l'ensemble, la collectivité, et donc je vais dans le mouvement. Cependant, ben, c'est pas, voilà, ça fait pas partie de mes convictions, tout comme l'avortement. Mais je sais pas, parce que je suis pas concernée. Donc, tu vois, j'essaie de mettre le non-jugement toujours en premier plan. Ok. Marina, bon, t'en as parlé tout à l'heure, a-t-elle eu des expériences négatives? Alors, négatif dans ma vie, oui, avec des défunts Ouais. ou autres, non. Expérience négative dans ma vie, oui, j'ai vécu des traumatismes, comme je l'ai dit, Ouais, de t'en as parlé. rejet, des dépressions, et voilà, et des choses
difficile, oui, et je pense que ça m'a beaucoup aidée à comprendre les autres, à me mettre à leur place, à pouvoir leur dire, si moi j'ai réussi, vous pouvez vous aussi. Parce que je suis passée par plein de problématiques, finalement, notamment la dépression, mais aussi le surpoids, pour leur montrer qu'on peut s'aimer tel qu'on est, voilà, on peut évoluer vers un bien-être et un vrai bonheur, en ayant souffert, beaucoup, en fait. Jeannet qui demande, Ouais. quand on demande à notre guide, normalement nous avons la réponse le soir même, ou si nous n'arrivons pas à capter une réponse, c'est que je ne sais pas la capter, ou qu'il ne veut pas nous répondre. Alors, jamais il ne voudra pas te répondre, sauf si c'est utile à ton évolution. C'est toujours pareil. Donc, mais ça, tu vas le comprendre. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Tu vas le comprendre justement, dans les jours à venir, dans l'évolution. Tu vas te dire, finalement, c'est bien que j'ai pas eu de réponse parce que j'ai trouvé la réponse tout seul et finalement, c'est pour ça qu'il ne m'a pas donné. Mais jamais un guide n'abandonne son protégé. Donc la question c'était, est-ce que quand on demande, on reçoit systématiquement Ouais, le et soir tout de même. suite, voilà. Alors, tout de suite, non. Enfin, non, ça dépend en fait. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de toi, de ton niveau de réceptivité dans l'instant où tu poses la question. Si tu ne reçois pas, parce que le problème, c'est ce que j'apprends quand on fait des formations avec moi, etc., c'est qu'il ne faut pas attendre d'une certaine façon et à un certain moment. Alors, à un certain moment, si tu te connectes et tu es devant ta feuille et que tu ne reçois rien, et ça va te frustrer. Mais en fait, le problème vient souvent que tu n'as rien sur ta feuille parce que tu crois que tu vas recevoir par écrit. Mais peut-être que toi, ton canal, c'est pas ça. Peut-être que ton canal, c'est un flash visuel, une odeur, quelque chose de non verbal, tu vois. Exemple, une personne, on faisait un atelier d'écriture intuitive et une personne dernièrement avait eu un flash, mais enfin, elle m'a dit, bon, mais moi, j'ai rien reçu. J'ai rien écrit, j'ai rien reçu. Et je lui dis, d'accord. Elle me dit, bon, j'ai vu un truc, mais bon. Je lui dis, ouais, t'as vu quoi? Et donc, elle avait vu des anges avec une jarre se déverser. Enfin, un truc de ouf, tu vois. Mais elle s'attendait tellement à écrire que, limite, ça, c'était passé à la trappe, tant pis, c'est pas grave, quoi. Je lui dis, mais tu te rends pas compte de ce que tu as reçu? Et ça ne veut pas dire que tu recevras jamais par écrit. Ça veut simplement dire que pour l'instant, peut-être que ce canal est plus fluide et que ça va s'ouvrir après derrière, tu vois. Donc, ce que je crois surtout, c'est que quand on demande à ses guides, il faut être humble, il faut être dans l'accueil et tu recevras toujours. Mais peut-être que tu recevras sur une affiche publicitaire. Peut-être que tu recevras dans la conversation qu'un ami va avoir à côté de toi. Tu vas dire, tiens, on dirait ma réponse à la question que je posais. Voilà, ce genre de synchronicité-là peuvent être des actions de ton guide pour te mener à la réponse que tu demandes. Sinon, si tu n'arrives pas à les voir, bah achète-toi un livre d'oracle. Je monte là-haut parce qu'ils sont là, mais pas de livre d'oracle, mais oracle de guidance, tout simplement. Il y a, demande à vos guides, demande à l'univers. Il y en a plein. Tu vas vers celui qui t'appelle le plus, tu le choisis. Et quand tu as un doute, bah tu prends une carte et puis tu auras une réponse. Ou tu prends un livre, comme je fais avec Entends-nous, et tu mets au hasard et tu auras une réponse. Ok, ben merci beaucoup. Bon, Laurence, bon, tu en as parlé aussi. Laurence qui demande comment faites-vous pour vous connecter? Donc oui, j'en ai parlé, mais je pense que j'imagine que les questions sont venues aussi Ouais. pendant la conférence, enfin si on peut dire comme ça. Donc moi, j'ai pas de protocole. J'ouvre l'écoutille, ce que j'appelle comme ça. Alors, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dit. Je ne subis pas les messages. On n'est pas en train de me parler pendant que je te parle, tu vois, par exemple. Je me pose, j'écoute. Enfin, en gros, il faut pas que tu me parles à côté parce que sinon, je vais avoir du mal à mettre la station radio sur la bonne chaîne, on va dire, pour donner une image qui peut un peu parler. Mais en gros, s'il n'y a pas de bruit, même quand ma fille joue à côté, si elle ne me parle pas à moi directement, je peux canaliser sans aucun souci. J'avais même un ami qui m'a dit, mais moi, je canalisais une dédicace et il racontait à sa compagne, il dit, non, mais en fait, tu la vois, elle est là, ouais, et puis elle te canalise le truc. J'ai vraiment pas de. J'avais lu sur ton site que tu disais que
que s'il y avait un brouhaha, tu arrivais à Oui, canaliser, et par contre, si quelqu'un te voilà. parlait, ben là, tu avais du mal, par contre. Et bien parce que je pense que tu vois, on a deux lobes au niveau du cerveau. Je pense qu'il y en a un qui fonctionne. Ils peuvent pas fonctionner les deux en même temps, tu vois. Enfin, j'y connais rien, je suis pas médecin. Hein. Ouais. Mais en gros, c'est l'explication que je me suis donnée à moi-même. Parce que effectivement, si quelqu'un me parle, je vais capter cette conversation. Mon intellect va la capter et il va vouloir analyser, réfléchir, etc. Alors je pense que quand je canalise, je suis pas dans l'analyse et je retranscris simplement, en fait. D'accord. Donc un brouhaha. C'est un bruit d'ambiance, ma fille qui joue, ça ne m'est pas adressé, donc je ne suis pas focalisée sur ça, je peux canaliser tranquille, quoi. D'accord. Alors Maïlis qui demande où c'est qu'on peut trouver ton livre? Alors, sur la région bordelaise, il y a plusieurs points de vente, mais pour l'instant, c'est limité à la région bordelaise. Donc, tous les points de vente sont listés sur mon livre. Donc, moi, je vais dire mon nom à nouveau, je m'appelle Virginie Sophia, mon site s'appelle virginiesophia.com. Donc, pas trop compliqué. Sophia, c'est PH, c'est pas avec un F. Vous allez donc sur le site, vous avez soit les points de vente, soit vous pouvez l'avoir en version numérique sur Amazon, sur Fnac Kobo, sur voilà, toutes les grandes enseignes de numérique, soit directement sur mon site, et c'est là où je le canalise. Évidemment, je ne vais pas dans les boutiques pour canaliser des dédicaces. Enfin, si, quand je fais des Oui, conférences, bien mais là en sûr. ce moment, il n'y en a pas de prévu. Ou sur les salons, je le fais aussi. Eh bien, donc sur mon site internet, on peut l'acheter. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix de vente, il est à 15 euros. Et là, avec les frais d'envoi et postaux, c'est 19,50. Parce que c'est avec le poids du livre, le suivi, voilà. Bien sûr. Mais ça va très vite. Si c'est moi qui les envoie, enfin bon, ça dépend du nombre de livres que j'ai à envoyer. Mais en règle générale, je les envoie toujours le lendemain ou le surlendemain, ça très vite. Et donc la poste les envoie 3-4 jours, 5 jours après, en fonction de s'ils bossent, quoi. Ok. S'il n'y a pas Ben, de suite. là, c'est une petite. c'est quelqu'un qui t'écrit et qui te dit quelque chose de gentil. Super. Gratitude à toi d'être venu aux ateliers d'écriture automatique. C'est Astrid. Ah, super, ouais. Et d'avoir écrit ton merveilleux livre après. Authenticité, amour et bienveillance. C'est gentil. Voilà, Gros bon, ça. bisous. Maïlis, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. J'aime bien les animaux, mais quand ils sont dans la gorge, c'est pas agréable. A-t-elle des infos sur la nouvelle loi bioéthique autorisant la culture des cellules humaines au sein d'animaux? Sont-ils d'accord là-haut de la mise à mort de ces chimères après prélèvement? Alors, ce que je crois, c'est qu'ils sont d'accord avec tout sans être d'accord avec rien. Si tu veux, ils nous laissent librement faire ce que l'on veut, y compris des choses horribles. Parce que ça a toujours une utilité. Même les choses les plus atroces ont la vertu de nous révolter, de nous réveiller, de nous indigner, de nous faire encore plus respecter le monde animal derrière, peut-être. Tu vois, s'il n'y avait pas eu tout ça, et là j'ai juste, parce que alors là, je peux dire, ça crépite grave Ouais. dans mes cheveux, s'il n'y avait pas eu tout ça, il n'y aurait pas tant de défense des animaux aujourd'hui, il n'y aurait pas tant de bio, tant de respect de. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Oui, il y a des choses encore horribles qui se passent, mais il y a aussi une évolution de nos consciences, même dans notre consommation, qui est énorme. Il y a énormément aujourd'hui de distribution directement près du consommateur, des associations, il y en a un peu partout. Qui se sont développés. Il y a aujourd'hui beaucoup sur les enveloppes de, je sais pas, de paquets de trucs de viande ou quoi. On marque bien dans le respect de l'animal, élevé en plein air. Tout ça avant, mais on n'avait que foutre, tu vois. On ne le savait même pas ce que c'était que l'élevé en plein air ou pas. On se contentait de bouffer l'œuf. Enfin, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, pour la plupart des gens qui me côtoyaient et que je côtoyais, c'était ça, y compris moi. Aujourd'hui, on sait. On commence vraiment à faire attention. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais peut-être que ces choses-là sont utiles. Et elles le sont peut-être aussi pour la guérison. Je ne sais pas, peut-être ça va nous ouvrir des portes derrière sur des connaissances scientifiques qui vont permettre après de guérir ces animaux ou. Je sais pas, tu vois, je suis pas la source. Enfin, en tout cas, j'ai oublié moi les Tu connaissances. es son porte-parole. Ouais, voilà. Mais bon, je veux dire, à mon avis, dans tout, il faut rester dans le non-jugement. On a des convictions, c'est bien. Il faut porter l'étendard de la paix, de l'amour, du respect. Ça, je suis entièrement d'accord. Maintenant, est-ce que ça va être, enfin, est-ce que son pour ou contre? C'est pas qu'ils n'ont pas d'avis,
Bien sûr qu'ils sont pour le respect et l'amour. Pour autant, ils sont dans le respect de l'amour pour nous aussi, qui faisons ces choses horribles. Ouais. C'est une nuance qui est difficile à comprendre pour nous. Exactement. Alex qui demande, Virginie, alors là, à mon avis, tu vas devoir canaliser. Hein. Virginie, c'est plus de la voyance. Pensez-vous qu'il y aura un autre groupe politique qui sera élu à la place de celui qu'on a actuellement? Merci de votre réponse. Bon, Tu ben je réponds vais si quand tu veux. Hein. même. Ouais. C'est-à-dire déjà, moi, la politique, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse pas parce qu'en fait, je trouve que les gens ne sont pas, pour la plupart, respectueux les uns des autres et que ça, c'est fondé surtout beaucoup sur l'énergie négative, malheureusement. Mais j'ai bien conscience qu'il faut des hommes politiques pour gérer notre monde aujourd'hui. Bon, mais dès que je les regarde à la télé, je pète un plomb au niveau énergétique. Si tu veux, ça va pas du tout. Et là, je suis là, ah, arrête-moi ça. Mais vraiment, physiquement, je vais plus bien. Donc, la politique, je ne sais pas. Par Mais contre, je vais demander la plutôt à source ne la. juge pas, donc. Oui, mais non, mais elle sait que si tu veux, tout ça va nous mener vers quelque chose de plus beau. Et qu'à un moment donné, on va tous finir par se réveiller et choisir les bonnes personnes pour nous gouverner. Parce que c'est ça, en fait. Je ne dis pas qu'ils sont tous à jeter. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la politique, de toute façon. Donc. Nous disons qu'une réelle unicité va se créer sur Terre et que dans vos gouvernements, il y aura également cette notion d'unicité, de compassion, d'entraide. Aujourd'hui, ce qui ressort de la politique, majoritairement, est de l'ordre du chacun pour soi, tous pour moi. Et ça, nous n'aimons pas, si nous pouvons le dire ainsi. Évidemment, nous voulons un monde d'amour. Évidemment, nous voulons un monde de paix. Et évidemment, nous allons vous y amener. Que ce soit par la politique ou par toute autre structure qui pourra vous aider dans votre gestion du quotidien et dans votre humanité. Si nous devions répondre à ta question par des faits, nous dirions qu'il n'y aura pas qu'un seul parti qui pourra gouverner. Il y en aura plusieurs qui seront sur le bien fondés. Ok, c'est Voilà. bon, ça laisse une marge en fait, plusieurs partis, ça veut dire est-ce qu'à moins qu'il y ait plusieurs partis qui vont gouverner ensemble, ou alors est-ce qu'il y a plusieurs partis qui peuvent Ah gouverner oui, tu as ensemble? raison. Quelle est la, voilà, moi, est-ce que c'est plusieurs parties qui vont Ouais, se réunir. se concerter et tout ça? Ou est-ce que c'est ben, comme aujourd'hui, on a la droite, la gauche, le Ouais. centre et le mi-centre et le machin? Mais Je vais voir ce qu'on OK. reçoit. Nous parlons de plusieurs parties dans les deux sens que vous avez soulevés. Il y aura une majorité gouvernante soutenue par d'autres partis bien composés. Mais il y aura des élections encore pour cela organiser. Nous disons ce que nous voulons dire quand nous disons qu'il y aura plusieurs partis bien fondés, c'est que petit à petit, vous allez voir les structures de votre politique se métamorphoser. Petit à petit, vous allez voir les dirigeants changer, être élus pour des qualités de cœur et d'humanité, alors qu'avant, ils n'étaient là que pour satisfaire leur capacité à accroître l'argent et à faire leur pays gouverner. En gros, à ce que leur pays enfin, soit au-dessus des autres, tu vois, Ouais, essayer le d'être pouvoir. au-dessus. Ouais, voilà. Ce que nous voulons dire, c'est que les partis de l'intérieur vont se transformer. Petit à petit, des personnes avec de nouvelles valeurs humanistes, positives, respectueuses vont s'immiscer. Et progressivement, cela deviendra la majorité. Donc oui, il y aura toujours des élections pour organiser, mais la majorité des partis seront vers le bon dirigés.
C'est optimiste, très bien, Ouais. très très bien. Oui. Alors quand, hein? On ne sait pas Voilà, trop. c'est ça. Le temps, c'est un On petit peu entre espère que guillemets le ça peut bordel quand même chez avancer. eux. Oui, hein? Surtout chez nous, en fait. On Oui, attend bien sûr. là maintenant, mais bon. Alors, Chris qui pose la question suivante. Bonsoir à tous. Ma première question, y a-t-il des jours ou des moments plus appropriés ou intenses pour ressentir des messages canalisés? Exemple, pleine lune, éclipse, saison ensoleillée, etc., etc. Très bien d'avoir mis des exemples. Parfait. Alors oui, je le crois. Au niveau énergétique, il y a des moments favorables et je le remarque souvent parce que tu vois, des fois, je n'ai pas besoin de canaliser, enfin, ou j'ai canalisé pour des gens ou j'ai fait des trucs. Du coup, ben, je n'ai pas forcément envie d'avoir un message, tu vois, donc je ne me pose pas forcément en ouverture. Et puis, il y a des jours où je me dis, ah tiens, là, j'ai trop envie, faut que je canalise un truc, ce serait sympa ça, faut que je fasse une vidéo ou machin. Là, je reçois. Et je me rends compte que, ben, au niveau vibratoire, il y a soit l'énergie numérologique du jour, ou du mois par rapport à l'année, tout ça qui y fait. J'y connais un petit peu en numérologie, mais je ne suis pas une as, hein, mais je connais les bases, quoi, quelques trucs. Et donc, je le ressens. Soit la nouvelle lune. Très très puissante la nouvelle lune. Pour une phase de création, la nouvelle lune est extrêmement puissante, donc probablement pour la canalisation aussi. Et la pleine lune, alors moi la pleine lune, je l'utilise plus comme de la création à la libération des peurs, ce genre de choses. Et la nouvelle lune, plus pour la création de projets et tout ça. Mais après, chacun est libre de ressentir sa connexion à cet astre de la façon qui lui convient. C'est favorable pour canaliser ou pour toute autre chose. En fait, ce sont des phases hautes au niveau vibratoire, mais tu peux tout aussi bien te connecter au lever du soleil, te connecter au soleil. En fait, ce sont des astres qui sont vivants au niveau énergétique et qui ont une puissance, si tu t'associes à eux, pour t'élever vibratoirement et donc te permettre de concrétiser des choses. Maintenant, je ne cherche pas ça pour canaliser. D'accord. C'est, ça vient, et puis des fois je me dis, ah oui, tiens, je comprends pourquoi on l'a fait ce jour-là, parce qu'en fait, pour les gens, c'est cool ça aussi, tu vois. Voilà. Ok. Plutôt comme ça. Jeannette qui demande comment élever son taux vibratoire pour canaliser avec ses guides et faut-il le faire à chaque fois? Est-ce qu'il y Alors, a un rituel? l'idéal, c'est que tu le fasses juste pour toi, pour dans ta vie, parce que plus tu vas élever ton taux vibratoire, plus ça voudra dire que tu seras heureuse. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça le secret du taux vibratoire. C'est pas j'élève mon énergie pour avoir un truc, c'est j'élève mon énergie pour être bien, pour être heureux. Alors oui, il y a plusieurs façons, et les plus basiques, les plus simples, que je puisse te donner et que tu peux appliquer instantanément sans avoir besoin d'acheter un cursus, un truc et un machin, c'est la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est le pouvoir le plus puissant qui existe pour élever son énergie. Alors ok, c'est quoi la gratitude? C'est être reconnaissant de ce que l'on a. Mais en fait, c'est un état d'être quotidien. Plus tu vas être dans la gratitude de ta vie, de ton corps physique, de ce que tu as, ce que tu aimes, ce que tu vibres, ce que tu ressens, ce que t'on te donne comme amour, etc. Et plus tu vas le développer. Et en fait, ça, énergétiquement, ça va te développer, enfin, ça va te faire monter très haut. Et il y a une autre chose, c'est la méditation. La méditation permet de abaisser son mental, pas le bloquer, j'allais dire bloquer, c'est pour ça que ça sortait pas. Calmer son mental. Et donc, ça te permet de plus être dans une émotion, parce qu'en ce moment, les énergies sont fortes, il faut le dire, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens, elles sont fortes, et donc on est irritable, on est fatigué, et on peut voir des peurs anciennes qu'on pensait avoir résolues, guéries, etc., revenir. Donc c'est super parce qu'elles sont là pour une bonne chose, elles sont là pour qu'on continue à nettoyer. Mais pour autant, c'est pas forcément facile à vivre. Donc du coup, ce qui va te permettre de calmer ça et de les guérir, ben, ça va être les méditations, guidées ou non, ça c'est à toi de voir ce qui te plaît le plus. Et puis la gratitude. Et là, tu vas bien élever ton taux vibratoire. L'idéal, c'est de le faire tous les jours, évidemment, parce qu'il faut stabiliser ton énergie pour qu'il n'y ait pas de trous et que finalement, ben, ta canalisation, ça va venir. Ça va être facile, quoi. Enfin, oui, je pense. Après, on ne peut pas tout le temps être à 100%. Hein. Je ne suis pas tous les jours dans la gratitude. Enfin, j'essaie, mais des fois, tu vois, au fond, tu es là, non, j'y arrive pas, je m'énerve. Voilà. Ou ben, tu as pas le temps de méditer. Bon, ben, ok, mais ce jour-là, peut-être qu'analyse pas. Commence déjà à t'entraîner.
Et puis après, tu verras ce qui est le plus fluide pour toi. Mais si tu es dans la gratitude, normalement, ton taux vibratoire va bien, bien augmenter. Oui, ça c'est sûr. Ok, merci beaucoup. Alors Michel qui demandera, on va demander sûrement à Monsieur Lassource quand même. Ok. Et pourquoi monsieur d'abord et pourquoi pas madame, Exactement. Je hein? suis sûr que c'est Madame d'ailleurs. Je crois qu'ils peuvent être tout, hommes, Voilà. femmes ou pas d'ailleurs, ou autre. On lui demandera d'ailleurs, tiens. Ouais. Ben, ils disent dans le livre, ils peuvent être tout. Et on m'avait posé la question. On dit en fait, ils sont énergie pure, énergie qui se transforme en fait, en tout, en rien, en homme, en femme. En gros, ma tante m'avait demandé, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant à dire. Excusez-moi pour ceux qui ont des questions, mais m'avait dit. Mais pourquoi, si c'est le Dieu ou c'est la source, pourquoi il ne se présente pas à tout le monde en même temps, comme ça c'est réglé? J'ai dit, ouais, ok. Et comment il se présente à nous tous en même temps? Sous quelle forme? Sous la forme d'un homme? Sous la forme d'une femme? Sous la forme d'une énergie? Le problème, c'est que s'ils le font sous la forme pure qu'ils sont, sous forme énergétique, admettons, il y en a plein qui vont devenir barjots. Il y en a plein qui ne vont pas pouvoir supporter cette énergie ou voilà, on n'est pas tous capables de voir les mêmes choses et de vivre les mêmes choses. Et puis, à travers ces manifestations-là, on va en tirer des fausses vérités, des fausses croyances, disant, bah, Dieu est unique, Dieu est homme, par exemple. Ou Dieu est femme. Ou Dieu est homme, femme, et puis. Donc, il y a la meilleure façon, leur meilleure façon de se manifester à nous, c'est par les canalisations, parce que notre mental bloque moins, parce qu'il n'y a pas forcément de visuel, par le livre, mais pas que celui-là, d'autres. Et voilà, tout ce qui, en fait, va nous faire un écho viscéral en disant, ben, ah oui, mais bien sûr, ça, c'est une vérité universelle, bien sûr. Alors, la source ou pas, on s'en fout, comment on l'appelle. Mais en tout cas, ça vient d'ailleurs. Ça vient d'une énergie d'amour. C'est ça qui est le plus important, je crois. Ok, Voilà, du coup, j'ai merci. complètement oublié la question. Non, mais je ne l'ai pas posé encore. Ah bon, ben voilà, c'est pour ça. On disait que c'était monsieur ou madame la source Ah oui, c'est ça. qui allait répondre. Alors, Michel, bonsoir à vous deux. Ma question est, comment voyez-vous les 6 prochains mois? Je suppose que c'est pour parler de la situation sanitaire que nous subissons en ce moment. Ok, alors, bon, déjà, je te dirais, va voir ou lire sur mon site la dernière canalisation que j'ai faite. Ça t'apportera quelques réponses. Mais je peux recanaliser quelque chose, sachant qu'on reste toujours, je pense, et avec la source et avec les guides hautement évolués, on n'est pas dans du factuel espace-temps, donc ils ne vont pas nous dire, ah ben tiens, au mois Ouais. d'octobre, il y aura tel truc et tel machin, et puis au mois de novembre, voilà. Parce que ça rime à rien, en plus ça génère de la peur. Donc c'est pas bon. Et ça, ils veulent toujours se mettre loin de ça. OK. Nous vous dirons que sur les prochains mois à venir, il n'y aura pas de majeure catastrophe dans votre pays que vous pouvez dormir tranquille. Cependant, il y aura beaucoup de fausses vérités qui vont être révélées. Beaucoup d'insurrections, c'est comme ça qu'on dit, d'insurrections. Oui. Tu sais, ils se soulèvent quoi? D'insurrection contre ces mensonges orchestrés pour reprendre les mots d'une de nos participantes. Et cela va révéler en chacun beaucoup de peur, pour certains, beaucoup d'émotions, de sentiments qui vont demander des mises en action répercutantes. Dans votre pays, et nous parlons là, que du pays français, il n'y aura pas de catastrophe naturelle majeure sur les 6 prochains mois. Cependant, il y aura des mouvements de foule qui généreront de profondes prises de conscience et j'entends un changement de pensée. Un changement de pensée. C'est tout ce que vous pouvez espérer sous les 6. Pour les 6 prochains mois. Cela est déjà énorme. Vous ne vous rendez pas compte à quel point chaque individu va changer énergétiquement parlant et psychologiquement parlant. Bien sûr, beaucoup ne le diront pas, beaucoup ne le montreront pas, mais à l'intérieur, cela vibrera, cela s'éveillera, cela rayonnera. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, Chris qui demande,
As-tu des prémonitions sur des événements dans le monde, comme le Covid, les incendies en Australie, ou des crop circles, pourquoi pas? Alors, pour être tout à fait honnête, non, pas vraiment. J'en ai eu quand j'étais plus jeune. J'en ai eu plus jeune sur les catastrophes mondiales, on va dire, tu vois, des grosses crises sanitaires, des trucs comme ça. Et là, en fait, je ressens, en fait, c'est pas des prémonitions au sens propre comme c'est Chris qui Oui, l'entend, c'est je ça. pense, avec du détail et tout ça. C'est plutôt un sentiment global, tu vois, une émotion forte, de changement, de peine, quelquefois juste avant ou quelques jours avant. J'ai des rêves aussi, mais des fois c'est sous forme de métaphore en fait. Donc tu sais pas forcément où ça va se passer, comment ça va se passer, mais tu sais qu'il va y avoir quelque chose de très gros qui va se passer et que ça va répercuter au niveau, avoir une répercussion au niveau mondial. Même en Australie, tu vois, il y avait des gens dans le monde entier. Voilà, ce genre de choses, oui, mais j'appellerais pas ça une prémonition. Pour moi, une prémonition, c'est vraiment voir le truc. Ouais. Alors, ça m'est arrivé, oui, mais il y a quelques années, pour des personnes en particulier et pas à une échelle mondiale comme il me le Ouais. demande là, ou elle me le demande d'ailleurs, je sais pas si c'est une fille ou un garçon. Ok, merci beaucoup. Alors, Fanny qui demande. Alors, Ouais. ceux qui canalisent expliquent avoir traversé des épreuves, des pressions, etc. Est-ce que cela signifie qu'une personne qui a une vie plutôt paisible ne pourra jamais entrer en contact avec ses guides? Non, je crois pas. Je pense que c'est ceux qui canalisent, enfin ceux qui racontent ces histoires-là ont eu besoin de ça pour s'éveiller et pour trouver des forces. Alors moi, je sais que voilà, par exemple, ces épreuves-là que j'ai vécues, ça m'a permis d'être loin de mon ego, de toujours faire attention, d'être dans l'humilité et tout ça. En tout cas, d'essayer au maximum. Ça m'a permis d'être dans l'amour inconditionnel et dans la démonstration d'amour parce que j'en ai manqué. Donc ça m'a donné l'élan de vraiment donner ce que j'ai pas reçu, tu vois. C'est pas qu'on m'en a pas donné, c'est que en tout cas je l'ai pas perçu comme j'aurais dû. Enfin, on l'a pas donné de la façon que j'aurais voulu recevoir sans doute. Et voilà, je crois pas qu'il y ait besoin de ça. Maintenant, qui peut dire j'ai pas souffert dans ma vie? Qui n'a pas vécu de blessure, au-delà d'une dépression, tu vois, bien sûr que tu as vécu, même si tu crois pas, tu as vécu une blessure de rejet ou d'abandon à un moment dans ta vie, voilà, et ces choses-là te font t'éveiller à la spiritualité à un moment donné, te font t'éveiller à ta supraconscience, à ta pleine conscience, te font initier le pouvoir de la gratitude dans ton quotidien. Voilà, peu importe la façon dont tu y arrives. Comme il disait dans le texte qu'ils ont donné pour l'émission, peu importe que vous nous croyez ou non, de toute façon, vous arriverez toujours à nous à un moment donné, parce que la vie est faite comme ça. On ne vous a pas fait vous incarner pour vivre en aléatoire, et voilà. Donc si, moi ce que je crois, et c'est ce que je dis dans mes ateliers ou quoi, si tu veux canaliser, tu peux canaliser. Et peu importe ce que tu as vécu, si tu es intéressé par ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que ton âme, elle sait qu'elle va se trouver là, pas par hasard. Et peut-être que ça t'ouvrira les portes d'autre chose derrière. Peut-être que la canalisation ne sera qu'une étape dans ton super chemin. Tout comme moi, je ne sais pas où ça va me mener, tout ça. Je découvre tous les jours les capacités, ce que je fais. C'est en 2 ans, ma vie a profondément changé. Elle avait déjà changé avant, mais je veux dire, c'est fou ce qui se passe. Regarde, je suis devant toi ce soir. C'est fou. Quelle chance! Mais oui, non, mais je le vis vraiment comme ça. Pour moi, je suis vraiment très heureuse. C'est réciproque. Bon, super. Alors, Michel, là, il va poser une question sur les suicidés. Avez-vous déjà communiqué avec un défunt parti par départ volontaire? Qu'en est-il? Où vont-ils? Faut-il aider à les faire passer dans la lumière? On dit tellement de choses. Merci. Ok, alors je vais te dire ma vérité à moi, hein. Je Ouais, vais te bien dire sûr. ce que j'ai expérimenté et peut-être que d'autres ont vécu d'autres choses. Oui, j'ai déjà communiqué avec une personne que je suis sûre qui est partie comme ça. Puisque je la connaissais, donc je le sais. Écoute, moi, j'ai envoyé beaucoup d'amour, puisque je la connaissais. Donc, je l'ai fait même avant de pouvoir communiquer avec elle. Et je le fais d'ailleurs avec toutes les personnes que je sais décédées auprès de moi, que je les connaisse de près ou de loin. J'envoie des pensées d'amour. Moi, je ne les entends pas nécessairement, sauf si je me mets en ouverture. Mais je ne le fais pas pour ça, je le fais juste pour les faire monter. Donc, oui, la réponse, évidemment,
Si tu as une idée, tu as envie d'envoyer de la lumière, fais-le à quiconque. Je veux dire, moi, je le fais même aux chiens écrasés ou aux hérissons que je vois sur la route. Je leur envoie une pensée d'amour. Parce que, voilà, toute âme mérite d'avoir, de recevoir ça et que ça les aide, évidemment. Enfin, pour moi, voilà, c'est ma croyance. Et donc, pour en revenir aux suicidés, notamment, eh bien, le problème, si tu veux, qu'il va y avoir, que je crois, c'est qu'ils vont se culpabiliser. En fait, après leur décès, ils vont se culpabiliser d'avoir mis fin à leur jour et par le fait d'avoir raccourci leur vie, même si c'est juste parce que voilà, leur âme avait décidé à repartir, mais surtout par la souffrance qu'ils imposent à ceux qui restent. Parce que souvent, on a du mal à vivre ça quand quelqu'un est parti, on se culpabilise, nous, ceux qui restent. Mais j'aurais dû faire ça, et voilà. Et finalement, ça nous baisse vibratoirement. La personne qui est partie, elle le sent ça, et elle culpabilise de la douleur, elle culpabilise de la culpabilité, et finalement, ben, ça l'aide pas à aller vers la lumière, tu vois. Donc, ce que tu peux faire, évidemment, c'est envoyer plein d'amour. Tu peux aussi leur parler, alors que tu canalises ou pas. Tu envoies tes pensées, elles sont reçues de toute façon, puisque là-haut, tout passe par télépathie. Il n'y a pas là, ça, tu vois. Donc, tu peux leur envoyer des pensées en disant. Voilà, je te pardonne, d'ailleurs, je t'en veux pas. Moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne-là. Je dis, mais tu n'as pas à t'excuser. Moi, je t'ai pardonné. Je sais pourquoi tu as fait ça. Il n'y a pas de problème. J'en avais les ressources, j'en avais la capacité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Je ne juge pas les autres dans ça. Mais si toi, tu es capable de faire ça, envoie de l'amour pour aider. Voilà. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'enfer. Hein, voilà, et c'est clairement dit dans Entends-nous. Et moi, je le crois profondément. Dieu n'est qu'amour. La source n'est qu'amour. L'univers n'est qu'amour. Et il y a simplement. Ce que crée un esprit triste, ce que crée un esprit coupable, eh bien un être qui a vécu et qui se sent coupable en partant, ou qui a fait des grosses fautes dans sa vie, qui a été méchant, je crois qu'elle reste un peu entre deux parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle peut aller vers la lumière aussi. Donc évidemment, ça aide que nous, encore sur ce monde-là, on leur envoie de l'amour et de la lumière pour les faire s'élever, mettre une bougie, envoyer des fleurs, ce sont des gestes d'amour en fait. C'est ça que ça symbolise, ce sont des gestes d'amour qui vont leur être adressés directement au niveau énergétique et leur permettre de d'évoluer. Et je sais que ça vibre là, tu vois. Donc je pense que c'est juste ce que j'ai dit. Ok, merci. Maëlys qui demande, avez-vous confirmation que la Bible, la Torah, le Coran ont modifié le vrai message d'amour de la source que l'homme a interprété selon son propre intérêt? Alors ça, Maëlys, c'est très marrant, enfin, si je puis dire ça, c'est que c'est clairement dit d'entendre, tu vois. Donc, oui, mais alors, c'est pas vade rétro, Satanas, tout ce qui a été dit dans les religions est pourri, c'est pas ça du tout. Mais le message initial, déjà, de toute façon, il faut être clair, c'était pas écrit en français ou en anglais, hein, c'était pas, ça a été traduit d'innombrables fois. Donc, forcément, il y a une légère différence. À la base, mais au-delà de ça, oui, ça a été transformé. Les messages ont été détournés de leur message d'amour profond, de tolérance originale. Évidemment, Dieu n'est qu'amour, donc il ne peut pas dire que certains sont aimables et d'autres pas. C'est pas possible. Et il ne peut pas dire, toi, tu vas aller en enfer parce que tu t'es suicidé, ou toi tu vas aller en enfer parce que tu es homosexuel, ou toi tu t'es marié, t'as divorcé, oh là là, t'aimes quelqu'un d'autre, oh là là, je te déteste. C'est bon, tu n'es plus mon enfant. Voilà, moi je suis divorcée, j'ai jamais cru que Dieu ne m'aimait plus parce que j'avais divorcé une première fois. Jamais. Mais pourtant, je suis de religion, de confession catholique, tu vois. Mais pour moi, je faisais le tri. C'était évident qu'il ne pouvait y avoir que de l'amour. Et donc, ben, que ce soit dans la religion musulmane, juive et tout, la connerie, c'est de dire qu'on est différent et que, en gros, on ne doit pas s'aimer les uns les autres, quoi. Parce que finalement, et même ceux qui croient en rien, je m'en fous, du moment qu'ils sont aimants. Tu vois, en fait, il faut s'aimer, se respecter et pas se juger. Et c'est ça que devraient apprendre les religions. Donc oui, j'ai la confirmation de la source que nos écrits... religieux ont été transformés pour nous mettre sous leur coupe, qu'on ait peur et qu'on soit des bons petits moutons. Tu vois? Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi derrière, hein, on est bien d'accord. Ce qui est prôné, c'est l'amour, hein, donc voilà. Ok, ben écoute,
C'était la dernière question. Super, ben merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vais me réécouter pour savoir ce que j'ai dit des fois parce que voilà. Je dis merci à Christelle qui a sélectionné toutes les questions et qui a Merci fait à elle, oui. un petit tri qui m'a bien aidé. Et Oui, j'ai trouvé ça super pertinent. ben merci beaucoup. Alors voilà, donc on arrive donc à la fin de cet échange. Merci à toi. Merci à toi, merci à toi, Merci. merci à toi. Vraiment, c'était vraiment très très sympa. Alors je Je suis vais ravie. laisser un petit message quand même à nos amis quand même. N'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos vidéos si vous voulez participer à l'émission. Je vous rappelle que le cahier des charges est très strict. Non, en fait, je rigole. Mais quand même, votre vidéo doit faire moins d'une minute trente. Veuillez avoir un son qui soit le plus correct possible en utilisant les petites oreillettes micro. Ça marche très très bien. Et vous pouvez nous parler d'un livre, d'un blog, d'un film, ou nous partager, comme Hervé l'a fait tout à l'heure, avec brio, votre expérience paranormale. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'attends avec impatience les 20 000 abonnés pour faire cette super méga fiesta. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un petit lien PayPal dans la description de la vidéo. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur le petit salon Discord qui est à votre disposition. On discute, on refait le monde. Il n'y a que des passionnés par l'inexpliqué, le paranormal, l'invisible. Enfin, le lien est bien sûr sous la description de la vidéo. Virginie, on va se dire au revoir. Oui, alors juste voilà un petit mot. Merci du fond du cœur à toi d'abord, à Oh. Christelle, à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette vidéo. Et puis j'espère vous voir un de ces jours, ici ou ailleurs. Et gros bisous. Allez, Voilà. ciao, moi j'embrasse tout le monde. Bisous. Bisous à la source. Oui, un câlin même.